Voilà quoi. Ouais, grave. Il fera des petites blagues de temps en temps, à mon avis. Parce qu'il s'appelle Scopos, le nouvel opérateur. Du coup, quand il fera des blagues un peu... On dira qu'il est en roue libre. C'est quoi la réplique d'Airsoft de ta dernière vidéo? C'est ma réplique. C'est ma M4 GP, mec. Full custom. Hello, Jessica. Hein? Yo, José 4. Yo, le campus. Comment ça, José 4? Mais ouais, parce que je t'ai montré. J'ai un problème avec les joints de ma salle de bain, les gars. Ça fait une semaine. Ça fait deux semaines. Il sèche plus, là. Du coup, je peux pas prendre de douche. Ah, c'est horrible. Non, je rigole. J'habite à côté d'une piscine. Donc, tous les jours, je vais à la piscine pour prendre une douche, quoi. Hein, deux blagues que tu me voles pendant le stream, ça va mal se passer. Ouais, vas-y, mais prends des subs, s'il te plaît. Hein, comment ça va? Ça va très bien depuis que tu es arrivée, Jessica. Tout le monde t'attendait. Tu es la seule femme ici. Bon, à moins que... Eh, on sait pas, hein, ça reste Internet. Hein. Vous avez vu la dernière vidéo, du coup? Bien évidemment, il n'y a aucun mec qui va mettre un truc du genre « Point d'exclamation. Last vidéo. » T'as une femme? Tu parles plus avec ta mère? Et donc, tac... Hop là, bam, alright, ok, allez, c'est bon. Voilà, c'est fait. Et je le mets en haut. N'hésitez pas à cliquer dessus, pour ceux qui aiment l'airsoft. Ah, bah, les autres, allez vous faire foutre. T'arrives à pisser maintenant avec le barreau atroce. J'ai essayé. Ça marche, et il faut qu'on en parle de ça. Non, 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 sérieusement, j'ai essayé. J'ai essayé la technique, ça m'est arrivé avant-hier. Il fallait que je pisse, une fois de plus, 4h du matin... Le braquemar, tu vois, genre le truc vraiment, la batte de baseball quoi, le truc horrible quoi, pas maniable, ok. 4h du matin, et donc je me suis assis sur les toilettes, mais dans l'autre sens, donc face chasse d'eau. Et bah ça marche trop bien. Ça marche trop bien, c'est une technique incroyable. Il faut que je fasse une vidéo YouTube, je pense, là-dessus. Je vous jure, vous vous asseyez en face, tu vois, comme si c'était un cheval en fait. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah ouais, mais t'étais pas là en live l'autre jour. Je vous jure, please, essayez. Please, souvenez-vous-en. Messieurs, bien évidemment, mesdames, vous n'êtes pas concernés. Messieurs, si vous vous réveillez avec le gros barreau là à 4h du matin, vous avez envie de pisser et vous n'arrivez pas, tu vois, plutôt que de le faire dans la douche ou d'en mettre partout, là, ou d'essayer de vous mettre à 90 degrés comme une équerre, tu vois. Non, 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 je vous jure, vous vous asseyez, mais pas normalement, quoi. Vous asseyez de l'autre côté. Alors, c'est surtout pour les personnes qui ont des gros sexes. Hein. Les autres, normalement, c'est bon, quoi. Votre truc, il est maniable, tu vois. Hein, voilà. Et quand vraiment, vraiment... Enfin, il y en a 2-3 d'ici qui doivent me comprendre, quoi. La majorité ne doivent pas comprendre, bien évidemment. Puisque vous êtes d'anciens joueurs de Fortnite. Allez. Bah, ça marche. Dès le début du stream, ça part en cacahuète. Oui, je comprends. Ah, voilà. Tu connais la technique pour enlever la dernière goutte? Non. Ah, tu prends un bout de papier de toilette, quoi. T'es éponge. Seuls les subs peuvent comprendre, il paraît. Salut, Campus et Scat, ayant déjà essayé la technique, je valide. Non, j'y crois pas. C'est une invention. Je vais poser un brevet là-dessus. Non, vraiment. Non, mais Odizuka, j'essaierai pas ça. C'est quand que tu me coaches? Point d'exclamation coach, hein, Jessica. Hein. Mais je suis très très cher. Je suis un coach de luxe. Hein. C'est très très cher. Et déjà, il va y en avoir un mardi prochain, normalement. On est quel jour? Samedi. Mardi, normalement, il y a quelqu'un. Et mardi de la semaine d'après, je suis au Maroc. Hein, donc, terminé. Ouais, je me casse. J'ai bien fait de lancer le sujet. Au moins, on a eu la réponse de la technique. Salut, incroyable Deadlock. Mais tu n'es pas sur le bon tag Twitch de Deadlock. Ah, quoi? Ah, t'es un monstre. Ah, c'est l'autre. Putain, je suis pas le seul à me gourer parce qu'il y a 9000 viewers. Bah ouais, mais bon, il va mettre Deadlock, lui. Hein. Attends. C'est bon, là? Est-ce que tu peux voir, poulet? Voilà, nickel. L'autre, c'est un jeu hyper vieux. Oh putain, la vache! Je me disais, putain, c'est bizarre, il n'y a que 2000 viewers. Mais il doit y avoir plein de gens qui se gourent, hein. Parce qu'il y a 9000 viewers maintenant dessus, donc voilà. Tu coaches les Xbox? Ouais, non.
Non, 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 non. Salut, incroyable Deadlock. Bon, bah, on va tester ça. C'est vraiment bien ou quoi? Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi comme style de jeu? Je me suis pas du tout renseigné. On vient de me donner l'access. J'ai fait, vas-y, je vais tester. Ok, Valve, je connais un peu. Putain, ça se lance rapidement. Bon, désolé pour le son déjà, parce que j'ai pas du tout fait les réglages, forcément. Sinon, c'est trop beau. Deadlock. Game. Voilà. Voilà. Welcome to Deadlock. This game is early development with a lot of temporary art and experimental gameplay. All feedback, welcome. Ok. Don't show this message again. Never. Monday to Thursday. Until 3. 3 quoi? 3 a.m. Je savais pas qu'il y avait des playtay. Il y avait des schedules. Je peux y jouer là au moins? C'est un MOBA TPS 6v6. Non mais là je peux y jouer là. C'est un MOBA? Ah ouais, c'est genre comme Paladin quoi. Enfin, ou comme Trucmuche là. Le MOBA en TPS là. Comment il s'appelle là? Merde. Oh, fuck. Smite? Smite. Voilà, je l'ai. Comme Smite, je l'ai. Overwatch. Overwatch? Un MOBA? Ok, elle est trop snake. Smite ou Paragon? Ah oui, Paragon! Putain la vache, il n'est pas bien marché ce jeu. Smite, incroyable. Ouais, Axinx, arrête. Hein. C'est Dota 2 en TPS. Mec, j'ai aucune référence de Dota. Je n'ai jamais joué à Dota de ma vie. Bon, du coup. Learn to play. Recommended. Vas-y, bah on va faire ça. 4 minutes. Putain, c'est pas mal ça. Helpful breakdown on the game objectives and controls. Ok. Tu veux pas le mettre en français parce que mes viewers sont un peu cons. Settings. On va voir. Option. Inverter la souris. Non. Language. Français. Restart the... Ah putain. J'aime bien quand moi les voix sont en anglais et tout est en français quoi. Comme ça, vous êtes, tout le monde est content, quoi. Mais les voix en français, je suis pas fan. Mais bon, Valve, en règle générale, fait du bon boulot, quand même, sur les doublages. Donc ça va. Il y a la langue française. Ouais, mais ça me fait chier. Salut Siscat, je te regarde depuis le boulot. Je taffe au Black pour un tyran dans son dépôt à boisson. Ah ouais? Ouais, je m'en bats les couilles. Docteur Bello. Tu taffes au Black? Occultiste. Ah putain, la vache. Ça a sombré vite fait, parce que c'était marqué héros tout à l'heure. Les voix sont anglais toujours, même si c'est FR. Ah, ça c'est cool. Ah putain, ils ont. Ouais, tout est traduit. Ok. Paramètres donc, du coup. Français, tac-tac. Ok. Viseur, on verra tout à l'heure. Hauteur, afficher les contours, on verra tout à l'heure. Point central, couleur, on verra tout à l'heure. Non, on verra pas tout à l'heure. Ça c'est. Déjà c'est vert. Vidéo. Utiliser les paramètres de base. Ok. Plus beau, résolution. Bam, bam. 240 Hz. Stack. Ouais. DirectX 3D, le 12, non? D'accord. Focus en mode plein écran. Ok. Mode sensibilité. Les effets de clignotement et stroboscopie les éliminent complètement et rendra l'expérience de jeu plus confortable. Mais certains effets peuvent persister. Non, ça va. S'il y a des gens qui sont trucmuches là, faites gaffe. Périphérique audio. Si je le mets là sur game, est-ce qu'il va me dire. Est-ce qu'il va être content? Ça va, il est toujours là. Configuration, casque audio, on est bon. Audio en arrière-plan, non. Seuil de déclenchement du micro. 1, 2. Hello. Bonjour. Comment ça va? 1, 2. 1, 2, 1, 2. Oui. Ok. Ok. Micro ouvert. Garder le micro constamment activé. Ah bah super. Retour micro. Activer cette option pour... Non. Micro optimisé. Activer... Non. Volume de la musique du menu. Alright. Ça, on peut le mettre à max maintenant. Volume audio. Non. Non. Ok. Raccourci. Z, S, Q, D. Bon, bah c'est bon, c'est fait. Sauter, grimper, space. S'élancer. Left shift. S'accroupir. Parfait. Objet...
1 là. Attends, attends. En fait, non. S'ils me le mettent là-dessus, on va voir ce que ça donne. Appuyez pour parler. T. Message général. On verra tout à l'heure. Ping. Mouse 3. Ouais. Attaque de mêlée. Ok. Capacité. 1, 2, 3, 4. Parade de mêlée jetée. Ok. Je regarde vite fait et après on changera. Roue des dialogues. Ok, d'accord. Ok, pourquoi pas. Jouer, regarder, tac, tac, tac. Attends, apprendre à jouer. Les bases. Welcome to the cursed apple. Ah bah c'est toujours... If your team wants to emerge victorious, you'll need to wield both guns and supernatural powers to lay siege to the enemy base. Ok. Ok. Les voies. There are four lanes. Ah, il y a quatre lignes. That players can ride to move. Ah oui, d'accord, faut regarder la map. Donc c'est vraiment comme un, c'est un MOBA quoi. Il y a quatre voies. Chacune, il y a une tyrolienne que les occultistes peuvent emprunter pour se déplacer rapidement. Donc c'est toujours pareil, tu vas à un endroit, tu te frites, tu dois avoir des creeps. Les creeps, c'est les mobs. Mais bon, faut utiliser le langage MOBA quoi. Et après tu reviens et tu dois pouvoir bail. Troopers periodically spawn in the base. Donc c'est les creeps. Fighting any enemies they encounter. Normal. Donc ça, c'est les creeps. Est-ce qu'il y a une logique de last hit aussi? Guardians are the first line of defense in each lane. Their attacks are... Ça, c'est l'équivalent des towers, du coup, so sur LoL, quoi. To push into them with your troopers. Il doit... Ouais, d'accord, ok. Donc ça, c'est les gardiens, donc du coup, c'est les... C'est walkers les... lie deeper in the lanes and have an arsenal of defensive moves. Les sentinelles se dressent au milieu des voies qu'elles défendent à l'aide d'un arsenal de mouvements défensifs. Attends. Ah, je vais regarder. Regardez. D'accord, ok. Donc ça, c'est les T1, on appelle ça, en gros. Ça, c'est les T2. Donc c'est, oui, c'est juste une tour plus grosse, quoi. Et après, la base. Un patron. Donc c'est le... Merde. Détruire le... Merde, sur LOL. Je veux pas regarder la réponse. Il faut que je trouve le crystal, le... Ah, je regarde pas le chat. Je veux trouver tout seul. Ça peut durer une heure. Hein. Détruire le... Nexus ! Putain ! Merde. Et les trucs avant les Nexus, c'est quoi déjà ? Les inhibiteurs. Ah oui, bien sûr. Ouais, merci, merci. Votre objectif est d'assiéger la... Donc là, il n'y a pas d'inhibiteur. Si ? C'est quoi ça, là ? Même principe que LOL, tu pètes des inhibiteurs et après, les creeps sont plus forts ou pas du tout ? C'est l'inhibiteur, ça. Ok. D'accord. Ok. Et après, du coup, le truc qui s'appelle le patron. Donc bon, c'est bien. Bon, ils ont copié... Ah oui, ah, c'est très... Merci. Si on fait chaque touche comme ça, on n'est pas rendu. Hold space to get on the line. You can jump off by pressing space. Press mouse 1 to shoot. Gun damage falls off at longer ranges. Ok. Les dégâts ici diminuent avec la distance. Zoom. Clic droit, zoom. Press 1, capacité 1, 2, 3 pour utiliser les capacités des objectifs. Ok. Bon, normal quoi. Sauf que normalement, bah forcément sur LoL, il n'y a pas de ZQSD. Donc forcément, voilà quoi. C'est pas tout à fait pareil, mais 1, 2, 3, 4, ok, facile. Il y a une ulti aussi. Maintenez space à proximité pour vous hisser, ok. Mêlée pour faire une attaque rapide. Ah, ok. Obtenez des 1 en tuant des croupiers des occultistes. Vous pouvez également obtenir des âmes en tuant des créatures neutres. Et toi ? Merci Zepsi pour les 23 mois, t'es un monstre mon poulet, vraiment. Obtenez des âmes en tuant des troupiers et des occultistes. Vous pouvez également obtenir des âmes en tuant des créatures neutres réparties sur la carte. D'accord, donc il y a une jungle, ok. Les âmes sont partagées entre les membres de l'équipe à proximité. Hein. Donc, ok. Et donc la monnaie, ça s'appelle les âmes, quoi, en gros. Récupérer des âmes.
Lorsque vous portez un coup fatal, ah, donc il faut un last hit, donc c'est celui qui tue le... C'est, voilà, c'est celui qui tue avec le dernier... c'est celui qui fait le dernier dégât sur, et qui tue le truc qui prendra la thune, quoi. Des âmes supplémentaires apparaissent. Vous pouvez sécuriser ces âmes en tirant sur l'orbe bleu qui les contient ou en les laissant flotter. Ça sert à quoi de les laisser flotter? Ah non, t'es obligé de faire ça. Si quelqu'un les prend avant toi, il les prend. C'est un MOBA en 3D comme prédécesseur. Auparavant, Paragon. Ouais, je vois Paragon. Ah. Non, tu dois pouvoir les voler. Ah ouais. Ah, faut voler des âmes. Les orbes d'âmes d'ennemis sont orange. Vos traverseurs peuvent les récupérer en leur tirant dessus ou en les laissant s'envoler. Tirer sur ces orbes oranges pour les voler à l'équipe adverse. D'accord. Point de capacité. La destruction d'un objectif adverse rapporte des points de compétence PC à tous les membres de votre équipe, donc de l'XP. Vous pouvez dépenser ces points pour améliorer vos capacités en maintenant la touche Tab enfoncée. Ok. Ou un contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3, j'imagine, comme LOL pour aller plus vite. J'espère. D'accord. Donc vous avez de l'XP de base pour votre perso, mais vous avez de l'XP en gros pour chaque sort aussi, quoi. Et après, bah, en fonction de... Vous les faites évoluer, quoi. En fonction de ce que vous considérez comme étant un truc hyper important ou pas, quoi. Genre un truc qui fait des dégâts, faut le level up assez rapidement. Et un truc qui stun, par exemple, bon, bah, il va pas changer... le stun va pas forcément changer énormément, quoi. Hein, peut-être sa durée ou ces trucs comme ça. Ok, bon, facile. Magasin. Donc faut revenir au shop. Oh, c'est mignon. Putain, ils ont fait la DA, elle va être incroyable. Lorsque vous avez des âmes à dépenser, donc c'est bien la monnaie, retournez à la base pour vous soigner et acheter des objets puissants qui augmenteront vos statistiques et vous accorderont des capacités supplémentaires. Bon, chaque joueur de League of Legends n'est pas perdu, quoi. Ou de Dota. Ou de Smite. Enfin, j'ai jamais joué à Smite. À côté de chaque gardien, vous trouverez une boutique qui reste ouverte jusqu'à la destruction du gardien. Mm-hmm. Il y avait un super jeu d'abord, d'ailleurs... qui s'appelait Jägernaut, et c'était un MOBA en 2D. Je sais pas si vous avez déjà joué, j'avais beaucoup aimé moi. C'était un très très bon, enfin c'était vraiment cool. C'était en 2D, donc c'est une espèce de MOBA version Metal Slug, quoi, pour ceux qui voient. Il y a un côté Tim Burton. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Oui, il y a un côté un peu steampunk aussi. Oui. Ouais, Tim Burton, quoi. Acheter les objets. Bon, ok. Les objets peuvent modifier notamment le nombre de munitions, les dégâts de mêlée infligés ou encore la régénération de PV. Les objets qui augmentent le pouvoir spirituel, améliorent l'efficacité. Bon bref, t'es obligé de les connaître par cœur, quoi. Il y a un moment où tu te fais ton pattern ou alors tu vas aller voir des guides en ligne pour ça ou ça, quoi. Et forcément, tous les objets ne sont pas... Il y a des objets, bah, il faut les utiliser de façon situationnelle en fonction de ce qu'il y a en face de nous sur la lane. Alors je sais pas s'il y a la même méta, mais on verra. Glissade. Left contrôle pour glisser dans une descente. Ok. Fonctionne également lorsque vous bénéficiez d'un... Certaines fonctionnalités peuvent être... Vas-y, comment ça, là? Pour glisser dans une... Fonctionne également lorsque vous bénéficiez d'un bonus de vitesse. Ok. Double jump. Space. Les mouvements spéciaux tels que le double saut font baisser votre barre d'endurance qui se trouve à côté de votre viseur. Là, on la voit, elle se baisse, ouais. Merci, Unim, pour les 69 mois. T'es un monstre, poulet. Hein. N'hésitez pas, les amis. Lâchez un sub. Que je sois toujours là à la fin de l'année. En cours de déplacement, appuyez sur Left Shift pour vous élancer vers la direction choisie. Ah d'accord, t'as un flash, quoi. Ok. Saut élancé. Élancez-vous en plein vol pour effectuer un saut élancé. Nécessite de l'endurance. Attends. Élancez-vous. Hein. S'élancer, c'est quoi? Ah. Left Shift. Ok. Ah oui, d'accord, c'est un sprint mid-air, quoi. Élan propulseur. Élancez-vous, puis sautez un bon moment pour effectuer un élan propulseur. Putain, la vache. Élancez-vous, puis sautez au bon moment. Mais c'est quoi le bon moment? C'est un timing à connaître par terre ou il y a un QTE? Il y a un... Non. Non, c'est un timing, quoi. Parade. Appuyez sur F pour parer une attaque de mêlée ennemie. Étourdis l'ennemi et augmente les dégâts de mêlée que vous lui infligez. Attends, tout le monde peut? Putain la vache, ok.
C'est hyper. Putain, les mécaniques sont truc de ouf. Occultiste, got it. Merde, j'ai pas lu. Bah, got it, mais j'ai pas lu. Hein. Ok, donc là, il y a tous les occultistes. Charge dans la mêlée. Bon, bah, faudra tous les tests one by one, quoi. Il y a vraiment des. Ok, bah, c'est Blitzcrank, quoi. Ok, genre 100% Blitzcrank. Les mecs se sont pas emmerdés, quoi. Ok. Bebop. Ok. Parfait pour les novices. D'accord. Bon, ça, c'est Katarina, quoi. Immobilise tous les ennemis, toute l'équipe ennemie. Ok. Fortuna. Ok. Putain, la vache. À chaque fois, du coup, tu fais des comparaisons, quand même. Et là, ça fait très... j'allais dire Jinx, mais ça fait très... Caitlyn, un peu. Haze. Ok, se faufile et tire tout autour d'elle. Ok, bon là ça fait très... pour le coup ça fait très Overwatch là, la meuf là. Tracer. Inferno, putain, et tous les pseudos maintenant, tous les noms, ça vous arrive pas de vous emmêler? Sérieux? Kelvin. Ok, ça on dirait la coréenne dans Overwatch, hein, qui fait du froid là. Congèle ses adversaires. Ouais. Il s'appelle Kelvin. Du coup, c'est le zéro absolu de l'équipe. Hein. Blague de scientifique. Hein. Vous pouvez pas comprendre, vous avez arrêté au collège. L'école. Lâche. Ok, plonge du ciel pour piétiner ses adversaires. Ok, ok, ok. Bon, parfait pour les novices. Moi, je vois des trucs de noob, quoi. Ok, H, du coup. Serre grise, ok. Alors c'est marrant, j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y avait un perso qui ressemble, ils ont fait le genre opposé, quoi. Donc, à moins que... C'est une meuf, ça? Peut-être une meuf, en fait. A cunning predator. Great Alan use a combination of deadly accuracy, traps and clever positioning to bring down the toughest of opponents. Ok. What the fuck? Seven. Électrise des ennemis groupés. Ok. Sur un. Blesse ses adversaires avant de les achever. Vindicta. Ah bah là, voilà, la Caitlyn. Mais elle ressemble du coup à... Putain, la vache, elle ressemble vraiment à la snipeuse d'Overwatch, là, pour le coup. Celle qui heal, non? Non, son bras? Non. Oh, putain, la vache, les noms! Fatal. Elle ressemble à Fatal. Ouais, ouais, bien vu, bien vu. Yamato. Assène des attaques chargées avec finesse. Yamato, use pressure strike to dismay the rival. What the fuck? Bon, ok, d'accord, ça marche. Au moins, un bon gros Blitzcrank des familles. C'est le perso avec lequel j'ai commencé le jeu. Attends, c'est quoi ça? Tu peux aller le tester? Bienvenue dans l'entraînement à l'occultiste. Essayez les mouvements et les capacités de votre personnage. La maîtrise de ces concepts est essentielle pour mener à bien le rituel. Ok. Attends, ZQSD, tirer. Bon, ça le fut ça ou pas du tout? Ah d'accord. Effectivement, de loin donc il y a zéro dégâts quoi. Putain, le jeu est propre. Hein. Ouais bon. Et du coup, ces sorts, on a dit... Donc ça, non. Ok. Et le jump, il a dit... Ah oui, c'est comme ça. Ok. Ah oui, il y a plus d'endurance. Putain, l'endurance, elle part vite. Hein. Ok. Oh, il a l'air trop cool, ce jeu. Ah, c'est Valve en même temps. On s'attendait pas à de la merde. Hein. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, il y a quoi en spécialité? 1, 2, 3, 4, 5. Recharger. Attends, attends, tu peux recharger? Ok. Et grimper. Ok. Qui est-ce qui me heal là? What the fuck? C'est Groot ou? Trop loin, trop loin, trop loin. Oh, le jeu, il a l'air parfait quoi. Y a des headshots. Ah oui.
Ok, ok. Et ça fait quoi ça? Pourquoi il me dit non, non, non? Unlock. Ah oui, attends. Du coup, et si je fais un contrôle 1? Oh là là, ça fait exact. Ils ont recopié LOL pour le coup. Donc contrôle 1, ça marche. Ouais, normal. Contrôle 2, contrôle 3, contrôle 4. Donc ça, c'est comme LOL. Pas de problème. Quoi? Il s'est passé quoi là? C'est quoi le truc? Uper. Ah, Uppercut. Putain, la vache. Pour ça, il a dit Uppercut. Ah, j'avais pas compris. Rien avec son accent. What the fuck, attends. Ah, mais il faut que j'attende les creeps du coup. Ouais, forcément. Putain, mais c'est un truc qui va faire mal au bras. Hein. Du coup, je vais pas baisser la sensi. Parce que bon, faut une sensibilité élevée là-dedans. Et donc, du coup. Ah, ok. On le gramme à 1. Aucune cible. Pas vu. Ah mais putain la vache, la barre de... C'est quoi ça? Ah d'accord. C'est trop drôle. C'est vraiment trop fun. C'est quoi ça? Ah oui, double jump. Attends mais tu peux monter partout? Ok, derrière tu lui poses une bombe quoi. Mais c'est un truc de ouf. Point cible 30. Ah d'accord, ok, c'est pour s'entraîner ça. Et le 4? Ça a l'air trop drôle. Quand je pense du T-Crate de CS2 toujours pas réparé parce qu'il travaille sur ça, c'est triste. Bon, en vrai, le vrai problème de CS2 à l'heure actuelle, c'est pas son T-Crate, frérot. Hein. C'est le cheat. Hein. Là, c'est... Oh, il a l'air trop incroyable ce jeu. Ah oui, et ça, du coup? Ok. Il se passe quoi? Ah oui, slider, on a dit. Ok. Ça doit être un jeu absolument addictif. Non? Ou alors je suis débile. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je peux lui mettre une bombe? You got something on your mate. Bon, j'imagine que la tower, on peut pas l'amener. Ah oui, il faut vraiment être dessus, quoi. Et ça, c'est quoi déjà, on a dit? Ah merde, c'est débile. Donc en gros, c'est tu grab, uppercut. Le combo, c'est grab, uppercut, poser une bombe, quoi. Si on veut... Si on veut voir à peu près... Il a l'air sympa, cet opérateur. Enfin, ce truc muche, là. Ce occultiste, pardon. Grab, à mon avis, uppercut, poser une bombe. Après, il faudrait voir dans le timing lequel est mieux. Peut-être que ce sera l'inverse. Hein. Peut-être que ce sera grab, poser une bombe et mettre un uppercut. Et le dernier, c'est une ulti ou quoi? Le 4, c'est une ult ou pas du tout? Donc si je fais ça... Merde, putain, je suis un héros. Ça, ça peut marcher sur lui. Pff, il se penche et tout. Ça a l'air vu le temps de régène. Ok. Vas-y, c'est horrible. Ah mais non, c'est tout l'inverse que je fais. Là. Je suis vraiment débile. Hein. Il avait dit ultimate ou pas du tout? Upgrade your power.
Ok, bon, je suis juste en train de me familiariser avec le truc. Hein. Après, on y va. C'est combien, 3v3? Vas-y, mais je suis dessus, là! Non? Et donc, lui, c'est qui, en fait? Ah, c'est le canon dans League of Legends. C'est un creep un peu plus grand, mais il heal, du coup. Et il se planque. C'est une IA qui se planque. Quand t'es left 1 pour améliorer une capacité. Ah bah bien sûr, mais, donc si je fais un contrôle 1. Un left 1. Left alt pour améliorer... Left alt. Ah, pour l'améliorer, en revanche, ça marchera pas. Laquelle, du coup? Ah bah faut l'acheter. Enfin, je suis débile, faut cliquer dessus. En fait. Ouais, bon, il donne tout, quoi. Ou presque. Putain, ça a l'air bien cool, quoi. C'est bien propre. Je sais pas combien on a de FPS, mais c'est propre. Hein. Donc attends. Mais pourquoi? J'ai pas la range? Ah oui, ça le ouais, il faut lui mettre la bombe d'abord et après le faire lui percute en gros. Au début tu comprends rien mais après ça va. Moi oh, ça va, je suis pas largué en tout cas. Après il y a beaucoup de trucs à apprendre quoi, et en particulier ça va être le shop qui va être relou quoi. Comme sur LoL en fait. C'est pas me heal? Il m'a heal de combien là? C'est pas un heal ça ou... Frérot? Putain c'est des petits heals hein! Vas-y mais je suis dessus! Non? Ça j'arrive pas à les grab. Moi ça va en vrai. Ah c'est plus 40 à chaque fois. Bon. Pourquoi je peux pas le grab? Tiens, va là-bas. D'accord, ça c'est vraiment bon parce que tu peux le faire péter sur l'autre mec du coup. Donc c'est vraiment bombe d'abord et le fist ensuite. Qu'est-ce qu'il fait la tour? Elle se défend plus là? What the fuck? Pourquoi elle se défend plus? C'est bien méchant ça. Donc vas-y attends. Ah mais oui, tu peux grab que les héros, putain, mais comme Blitz. Ça passe à travers ou pas? Bah ouais, je suis débile, bien sûr. Mais c'est logique en même temps. Appuyez sur B pour faire des achats. Pff, putain la vache. Arme, vitalité, esprit. Ouais, forcément. Build par défaut. Ah ok, bon c'est cool qu'ils en fassent, voilà quoi. Bon, ah, ça c'est... On prendra d'abord les trucs par défaut et ensuite on rentrera. Donc ça, je peux le choper normalement. Comme ça, le combo. Ouais, forcément. Parfait. Donc grab bombe, 3-2-1 quoi. 3-2-1. Et ça, c'est un bon combo. T'es sûrement invulnérable en dehors de la zone violette autour de toi durant l'ult, donc il ne te tire pas dessus. Ou alors t'es invincible. Bah non, il était tout black le mec. Merde. En revanche, tu peux mettre une bombe sur les creeps. Donc ça, c'est assez cool. Quelle est la range d'ailleurs? Faudrait voir. Ah oui, non, c'est vraiment court pour le coup. Putain, ça a l'air vraiment cool. En PVP. Alors, je sais pas si ce sera gardable. Ah ouais.
Non, regarde, il se transforme à un moment. Ah oui, ça met du temps quand même à tourner sur le... Putain, c'est hyper propre. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'informations à l'écran, c'est quand même très propre, quoi. T'es pas perdu, en gros. 6-4 Merv, gardien adverse. Ok. Bon, on a compris. C'est bon. Allez, let's go. Quitter le bac à sable. Quitter la partie. Ok. Les voix maintenant. Prenons un autre perso du coup. Celui-là c'est... Donc il s'appelait comment? Bebop. Hein. Facile à retenir. Abrams. On dirait le mec avec le cigare. Non, pas Gragas. On dirait... Si, bah avec le cigare. Gragas c'est le vin. Ah, il me le faut, putain. Avec le dash, avec la smoke, et avec le shotgun. Mundo ? Mais non, pas Mundo, qu'est-ce que tu racontes ? Ah, c'est vrai que physiquement, le skin ressemble à Mundo, quand même. Oui, je suis d'accord. Ouais. Graves, ouais. Vous avez déjà entendu la voix anglaise de Mundo ? Mundo can go where he pleased ! C'est moi qui l'ai faite. Impossible de lancer le matchmaking car votre client n'est pas à jour. C'est Pumba ça. Non, vraiment. Mundo can go this way. Mundo can go very pleased. Encore c'est plus. Mais ça me fait mal à la gorge à chaque fois si je le fais vraiment bien quoi. C'est Mundo can go very pleased. Putain, ça se joue plus, Mundo, d'ailleurs. Reign de Overwatch. Ouais, mais on connaît pas les jeux mobiles ici. Attendez, quittez le jeu, du coup. Il y a une mage. Uploading. Putain, la vache. Pff, oh, les mecs, ils doivent être tous samedi, dimanche, ils sont là, quoi. C'est ouf. Saison 1, Mundo Sunfire Cape, je m'en rappelle encore. Eh, c'est un peu au tout début du jeu, c'est là que j'ai joué pendant un an, lol. Mais bon, c'était franchement, quand j'y ai joué, c'était pas le début. Hein. C'était vraiment pas le début pour le coup. Ça devait être 2012, je pense. 2011, 2012, par là. 2010, 2011, 2012. Hein. Non, pas 2010. 2011, 2012, je pense. À l'époque, c'était la sortie de... Il y avait eu quoi? J'avais vu... Moi, j'étais là pendant la sortie de Nami... La sortie de, je crois, Leona, il me semble. Leona, c'était devenu mon main. Moi, je jouais que support. Donc, il y avait quoi autrement? Brome. J'ai vu la sortie de Brome. Ah. Yo, le daron. Merci pour les 11 mois. Merci, Yunim, pour les 69 mois. Vous êtes des monstres, les amis. N'hésitez pas, les amis, à vous sub si ça vous fait plaisir de me voir sur un autre jeu. Apprendre à jouer du coup. Découvrez comment se déroule un début de partie en choisissant un personnage facile à prendre en main. D'accord, bah oui, bah on... I can take whatever they throw at me. Connexion serveur, ok. Tout ce qui est après, je connais pas. Quelle surprise, 6-4 support. Ah ouais, mec. Leona main. Aucune idée, perle. Bienvenue à l'entraînement sur votre voie, qu'on appellera une lane. En début de partie, vous devez gagner en puissance pour accomplir des objectifs. Lorsque vous aurez atteint les objectifs à chiche à droite, vous obtiendrez une puissance inimaginable qui vous permet de vaincre le gardien. Orbe vert. Orbe orange. Orbe objet acheté. Capacité améliorée. Améliorer une capacité en maintenant left alt. Ok. 0 sur 1000 âmes. Ok. C'est des gens avec moi? Ah non, c'est des bots. Faut aller où là? One of the patrons, and today I will be your guide. First things first, you need to take out the guardian that's at the end of this lane. By destroying it, we don't just get closer to the final objective, we earn souls and ability points for the entire team. Ah.
Oh, ça a l'air trop chiant à jouer ça. Ah non, faut y aller quand même. D'accord. Oh, ça a l'air trop chiant à jouer. Attends, mais c'est un shotgun ou quoi son truc là? C'est quoi son 2 là? 1 pour débloquer. Ah oui, la première capacité, merde. Attends, left alt. Débloquer, je l'ai pas en fait. Enfin, c'est en violet, je l'ai pas. Résilience infernale. Convertit une partie des dégâts subis en régénération de PV. Ok. L'autre, c'est quoi? Merde, attends, j'ai pas vu. Ah fuck. Attends. Charge taurine. Charge vers l'avant. Et entraîne les unités. Ok, il y a un dash. Si Abraham touche un mur, les unités ennemies traînées seront étourdies. Ok. Draine la vie des unités ennemies devant Abrahams tant qu'elles sont dans le rayon de la capacité. Oh putain, la vache, un life drain. Pourquoi je peux en prendre 2? Ok. Merci évidemment, Chalk, nouvelle étudiante et un monstre poulet. Mais attends, mais le life drain, du coup, faut que je l'active. Hein. Ah ouais. Putain, le reload, il est horrible. Ah oui, il faut toucher un mur. Putain, la stamina, elle est dégueulasse. Ah, mais il y a la tour, elle est juste là, en fait. Rendez-vous à la base ou à la 1 pour acheter des objets. Ok. Vas-y, vas-y là. Putain, le heal il est horrible. Là ça me heal bien pourtant. Mais il... ça l'a pas fait, j'ai foncé dans un mur comme ils ont dit. Ça aurait dû tous les stun, non? Ah mais il y a le nombre de munes sur le côté de le viseur, j'avais pas vu. Attends, attends. Putain la vache. Et le 3 du coup, c'est quoi? Yeah, yeah, we know. Objet acheté, ah, faudra que je retourne au truc. Je sais pas si c'est un shotgun le truc. Et je peux pas l'activer ça. Ah, c'est un passif le 3. Ah mais tu peux rester sur le... Putain, tu peux rester sur le clic gauche, putain. J'avais pas compris ça. Tu peux rester clic gauche en gros. Et là ça va pas stun. Allez bah. Le life drain, on est d'accord que c'est un passif? Le 3? J'ai joué avec le Vibe TF2, LOL, Dota, Paragon me plaît vraiment. Bah ça peut pas, franchement c'est LOL, donc c'est LOL, c'est Valve, donc il y a peu, quand même peu de chances que ce soit foiré. Ça marche que sur les héros ça ou quoi? Ah ça c'est le stun du coup, je voulais voir. Vous en pensez quoi pour le moment? Don't try going toe to toe with the Guardian.
Ah, fils de pute. Un, acheter amélioré, ok. Attends, attends, ça, on s'en fout. Perhaps use this time to go shopping for when you return to the portal coil. Bah oui, j'attends de mourir pour aller bail. C'est quoi du coup? Ah non, c'est B. B comme bail. Tir rapproché, augmente vos dégâts. Bon, pour le moment, on va pas se prendre la tête. Tac, tac, tac. Ah putain, mais j'aurais pu revenir beaucoup plus. Faudrait que je regarde. C'est marqué où les creeps? Nous on a 5k, ils ont 6k, ok. La présence des lanes est en haut. Le temps, j'avais pas vu les bonhommes. Merde. On va pas trop vous faire chier. Là et là, ça devrait le faire. Ok. Et donc B, 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 c'est bon. Et après. L'accélérateur, pourquoi est-ce que j'ai un accélérateur? Putain, ce bruit. Putain, c'est quoi cette alarme? Just one more task to complete. Back away from the guardian. Putain, j'arrive pas trop à regarder. Ok. Voilà, ça sert à rien vu les dégâts qu'on fait à cette distance. C'est vraiment une sorte de shotgun le truc. C'est quoi ça? Ah, c'est neutre! What the fuck, je suis où là? Et là on peut pas là. Ah c'est pas tout le reload, d'accord, ok, donc c'est vraiment comme une sorte de shotgun en gros. Il peut quand même tirer même s'il en a reload que un. Oh l'erreur. Don't forget to shoot an orange soul out of the air. Ah oui, les orange souls, c'est les miennes, on peut les voler. The guardian is tearing you apart. C'est quoi ce bruit? Ok, donc c'est une ulti. Ah mais j'ai pas. Attends, 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 c'est quoi l'ulti? 4. Dégâts, 150 de dégâts, nanana, saute dans les airs et retombe à l'emplacement ciblé. Quand Abraham touche le sol, toutes les unités dans la zone subissent des dégâts et sont étourdies. C'est un gros stun de ouf. Voilà.
peux faire ça du coup. Ah d'accord, ok, pour les stuns du coup. Ok, si je le fais pas du coup ils reviennent quand même à moi ou pas? Mêlée c'est ultra fort. Quoi? Mêlée c'est ultra fort? Attends, mêlée c'est quoi déjà? C'est quoi le mouse 3? Ah c'est ping ça. Mêlée c'est ultra fort. Ah ok. Ah oui, un orange soul. Ok, vas-y, vas-y. Donne-moi une orange soul. Bon, je reste derrière, du coup, j'imagine. Ok, left alt. Ok. Je sais pas laquelle améliorer, donc bon, bah les couilles. Bah, tu as un truc devant moi, là. En plein. Améliorer votre truc 10. Empruntez le tyrolier pour retourner à la base. I'll bestow you with resources so you can power up for a final push on that guardian. Comment est-ce que j'ai l'accélérateur ou pas? What the fuck? Putain, il s'est passé quoi là? 24 000 abdéens, une obole de votre patron. D'accord, ok. Vas-y, ça on s'en fout. What? Choisissez un emplacement de capacité pour finaliser l'achat, faites glisser et déposer pour réassigner les capacités activées actuelles. Attends, ça rajoute un truc? Vas-y, non, non, pas pour le moment, les amis. Ah, c'est un actif, ok. Ok, ok, putain la vache. Alors, c'est peut-être un truc de ouf, mais bon. Aura pour prévisiblement. Je m'en bats les couilles, je prends que des trucs passifs, ça va pas me prendre la tête. Arme. Ah, mais il y a trop de trucs! Attends, ah non, dans esprit, j'ai pas tout pris en fait. Il m'en manque un slot. Ok, je comprends. Et flexible serait le fait de rajouter un truc. Donc arme, c'est fait. Vitaliser, c'est fait. Esprit. Ok. What the fuck? Putain, la vache. Bac plus 12 pour tout comprendre. Quoi. Et ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est là que ça pop si... D'accord. Ça, c'est le truc de base. Ah, l'accélérateur. Ouais, c'est un truc avec un gros cooldown, quand même. Il est dispo sur quelle plateforme? Faut être invité pour y jouer. Je crois dans le tuto il l'avait dit. Voilà c'est... Allez, le double kill. Double kill! Ça c'est trop drôle quand même. Alors sur des creeps c'est un peu débile mais... Oh là là, les effets sont incroyables quand même. On peut pas la stun. Oh les dégâts que ça met. Ah ouais, forcément c'est un shotgun en gros quoi. On peut pas se planquer quand même. Elle est morte. Oh. Entraînement sur voie terminé. Ok. Ok. Ça me fait penser à TF2. Bah pff, c'est plutôt Paragon quoi. Ou Smite quoi. Ah, c'est quand même, avec enfin la map, j'ai l'impression que c'est du Overwatch. Enfin, il y a tout quoi, comme d'hab hein, maintenant de toute façon. Occultiste, regardez, jouer à Deadlock, 12 dans la file d'attente. Rejoignez la file d'attente pour participer à une partie standard en ligne contre d'autres personnes. Ok. Bac à sable, on l'a déjà fait. Partie publique avec des bots, non. Partie privée avec des bots. Faites une partie contre les bots en difficulté, en jouant solo ou avec un groupe. Mais non, jouer à Deadlock. Merci à Reku. Voilà, elle vient de le dire. Merci pour les 5 mois, mon poulet. Vous êtes des monstres, les amis. N'hésitez pas.
Créez votre escouade, sélectionnez au moins 3 occultistes. Vous incarnerez automatiquement l'une de ces unités au début de la partie. Vous pouvez indiquer les occultistes comme en lice, prioritaire ou hautement prioritaire pour augmenter vos chances de les incarner. D'accord. Pour démarrer le match, vous devez choisir au moins 3 occultistes. Hein. Lui, puisque je viens de le tester, on va le rendre prioritaire. Rendre hautement prioritaire, ok. Putain, c'est vraiment beau, man. Ça, on va le mettre rendre prioritaire et après, on va prendre n'importe lequel que j'aurais pas joué. Logique. On rejoint la file d'attente. Ok. Pour éviter, du coup, d'avoir... Il y a des supports ou pas? Non, où chacun a sa lane. Attends, il y a combien de lanes? Attends, c'est 6v6 et il y a 4 lanes. Donc il y a bien 2 mecs qui vont aider d'autres trucs. Il y a bien une méta avec... Il y a une méta à l'heure actuelle? C'est quand tu fais rage quitte des enfants de 12 ans? De quoi? Paragon? Hello everyone! Pashol nahu. Suka bliya. Maintenant... Ah merde, attends. Ça, je pense, pour faire du creep. T'as des builds communs à essayer dans le shop 6-4. Mais là, je les prends pas maintenant, les builds. Je prends ça, là. Début de partie. Ah, aucune partie. Ah d'accord, là, on est dans le... Ça, c'est la... C'est le lobby, quoi. En haut à droite, parcourir les builds. Oh la vache! Ultra Gun, Gotta Hug Them All, I Love Bebop. C'est hyper intelligent d'avoir fait ça. Vas-y, attends, stop. Ok. Putain, je vais être nul à Yesh. It's time, Bebop. Impose your will. Ils utilisent l'accélérateur, vous pensez? Non. Pas pour revenir. Nous, on est où? On est en bas à droite. 1, 2, 1, 2 et nous. Ok. Vas-y, mais nique ta mère, je suis l'OHP là! Ok, bon déjà, première leçon, faut pas rester là-dedans. Bam, allez, terminé. Non, il est mort? Non. Non, il est pas mort. Putain, j'ai du mal avec le fait de prendre des dégâts. Je sais pas si je prends des dégâts en fait. Viens me dive toi. Non, putain, ça fait des dégâts de ouf. Ok. J'ai du mal avec la barre de vie qui est là quoi. J'ai du mal à aller chercher l'information. Acheter, améliorer. Moi j'ai rien de toute façon. 302 âmes. Tout ça c'est 500, 500, 1250, 1750, 500. D'accord, donc y a rien quoi. Dans son build de merde là. Il te le donne ici. De toute façon, il n'y a rien. Quitter le menu. Bon, on est dans la merde. Snowball, tout ça, machin. Ok. Pourquoi est-ce qu'il me demande d'aller là? On peut pas swapper les lanes? Il faut que je revienne vite. Ah, en même temps, mon pote s'est fait enculer, je crois, non?
Bon, on va y aller. On peut tirer là-dessus ou pas? Pas du tout. Ok. Faut que j'apprenne quel est le perso qui me fait chier comme as. Ah, mais attendez. Left. Hook. On va essayer de le caler là-dessus. Suggestion. Ok, il me file des suggestions, j'aime bien. Ok, ça passe pas. Ah, ça fait zéro dégâts là. Ok, et là, attends. Quoi? Attends, qui m'a fait ça? C'est quoi la range là-dessus? Y'a une grosse range sur le grab ou pas? Et quelle heure? Ok, bon, j'y suis encore à 5h du matin. Ce jeu veut me faire rager sa mère, la pute. Il y a une raison que le jeu soit accessible sous cette forme, genre c'est pour le lancement? Ouais, je pense qu'ils veulent y aller tranquille, one by one, avant de stresser les serveurs. C'est toujours c'est normal, t'ouvres pas toutes les vannes d'un coup. T'ouvres pas toutes les valves d'un coup. Très, très bon. Bon. Faut que je me concentre un peu sur le last hit et on va rester sous la tour. Vas-y putain. Il est mort l'autre? Attends, qui l'a tué? Je sais pas. Ah, je fais zéro dégâts là. Putain, je rate tout quoi. Santé faible, non sans déconner. C'est quoi ça? Ah ok d'accord, tu peux rester en haut. Putain mais je savais même pas que tu pouvais aller en haut. Il se passe quoi là? Ok. Park? Ok. J'ai pas la range là-dessus. Non. Oh fucking hell. What? Non mais vas-y, mais prends là le truc de merde, enculé de ta mère. Pourquoi je pouvais pas le prendre là? Pourquoi je pouvais pas prendre le tram? Y'a un gros fall off damage. Et si tu dashes en avant avant de tomber? Au level 2, ton grab, tu grabes à 30 mètres de range. Donc c'est celui qu'il faut prendre. Quel est celui qu'il faut? Le 1, 2 ou 3 ou 4 qu'il faut faire level up? Attends. Non, 40 de dégâts. Attends, bien, il s'agit d'un ennemi. Non, il lui inflige des dégâts à la cible. Bebop inflige 30% de dégâts balistiques aux ennemis. On s'en bat les couilles. Prochaine capacité.
30 mètres de portée d'incantation. Putain, la vache, ah ouais, t'as raison. Faut clairement le mettre au niveau 2. Parcourir les builds ici. Portée mystique, je sais pas ce que c'est. Attends, mais j'ai pas 500? J'ai combien? 2063, pourquoi je peux pas acheter? Bah, je viens de cliquer dessus, pourquoi ça marchait pas? Ok, bon, je prends n'importe quoi, je m'en bats les couilles. C'est mieux que rien. Ouais, je vais aller sur une autre lane, bats les couilles. Hein. Mais j'avoue que notre lane, elle est en train de tomber. Hein. Je suis en mode découverte. Là. Oh, l'idiot. Faut vraiment que je chope les grammes. What the fuck? Tiens, viens là toi. Putain, c'était pas mal ça. Acheter et améliorer. Caméra post-mortem. Attends, ça fait quoi ça? Putain, j'aurais bien voulu voir. Tu peux avoir une killcam? Bon, forcément, je me fais laver le cul. Oh, il y a trop de trucs. Oh, j'ai mal. Suggestion, on a dit. Du coup, ça, non, ça, non, ça. Ouais, forcément. Ah, donc du coup, il te le suggère quand même. D'accord, ok. Bon. Et la lane à droite, bon, on va la retourner voir. Donc c'est pas F. Je sais pas lequel est sur ma lane. Ah bah faut que je regarde en bas à droite en fait, je suis con. Bah ouais, forcément. Là ah, c'est pas simple. Votre pote est mort. Tellement d'infos à l'écran en même temps. Donc il y a des gros fall off de mage. Bon, on va voir ça. Yeah, I'm close to you, bro. C'est un bot? Non. Oh putain, j'ai pas vu ça, j'ai mon ulti. Oh, il vient. On peut pas prendre le F là. Ouais, forcément. Ne connaissant pas en plus les persos. Oh. Acheter amélioré. Tir véloce. Bon, on s'en fout, je prends n'importe quoi. Forcément, là, le snowball, forcément, ils vont nous défoncer la gueule maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais clic droit là. Ah, je vais vers le bleu. Ok. D'accord. Tellement de trucs. Tellement complet. Faut rester là en même temps. Il est où le prochain truc? C'est ça le prochain? Non. Ah non, il est là. Bah, je l'ai pas chopé là. Putain, la vache. Ah, mais non, c'est pas celui que j'avais tout à l'heure, ça. Putain, je suis débile, c'est pas le même, c'est Bebop. Il a pas ça, lui. Ah, j'étais en train de penser que j'avais le stun, mais pas du tout, en fait. C'est quoi, ça? Pourquoi il nous file ça? D'où ça vient, ça? Putain, ça fait mal!
Regarde ça. Vous en pensez quoi du jeu pour le moment? Ah bah forcément, ouais forcément. Pourtant je vais tout mis les combos là pour le coup. J'ai fait grab, bombe, uppercut. Forcément on se fait enculer là. Qu'est-ce que c'est ça hein? Tire véloce, ok. Voilà c'est la fin. Ah non tu peux faire mouse 3. Qu'est-ce qu'on fait? Mais l'autre, il a give up, non? Ah, mais c'est space, c'est pas F, en fait. Ok. Donc là, y'a rien. Putain, la vache. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est vraiment très complexe, quand même. Enfin, pas complexe, mais... Là, j'ai pris un Fall of Damage. Ouais, y'a pas de Fall of Damage. Ah, fuck, il l'a bougé. Pas du tout. Il l'a tué l'autre? Oh nice. Ok, capacité. Là ça va être... Je pense qu'il faut juste le faire au niveau 2, le grab j'ai l'impression. Y'a un mec qui fait que les jungles dans le jeu ou quoi? Le jeu a l'air cool mais c'est un sacré bordel. Ouais, je pense que c'est le genre de jeu auquel t'es obligé de jouer pour comprendre toutes les subtilités de ce qu'apparaît à l'écran en stream. Parce qu'autrement, c'est clair que ça donne l'impression que c'est un sacré bordel quand même. Bah alors, enculé. T'es prêt pour tout, toi. Oula, pas pire ça. Mais ça a fait pas mal de dégâts. L'idée était bonne. Vache, la vitesse du truc maintenant. Tiens, prends ça. Oh, c'est magnifique ça. C'est bon, ça commence à venir. Vraiment cool comme jeu quand même. Hein. Ça doit être incroyable, putain. Après, j'ai pas de situational awareness là. Faut que je regarde plus souvent la map. Attends, on est déjà là? Oh, on a pushé cette lane. Allez, pars-toi. Ça c'était bon ça. Ça c'était bon ça. La bombe, l'uppercut, le stun, BM, deux gros coups de mêlée dans ta gueule. Terminé. Lui il a l'air d'avoir beaucoup d'HP en revanche. Qui est-ce qui tient? Bon là il y a trop de... Est-ce que c'est intéressant d'utiliser l'outil là-dessus vous pensez? Oh, fils de pute. Non, je l'ai pas vu. Oh là 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 là, le team fight. J'ai rien compris. Balle vampirique. Suggestion. Ah, eux me le disaient. Putain, faut que je suive les suggestions. Je suis con en même temps. Les suggestions sont bonnes. Aussi, la range de tes spells et auto-attaques sont pas claires, mais bon, c'est la troisième personne qui fait ça, j'imagine.
Ouais, ouais, bah ouais, forcément. Quand on voit le grab, tu vois, ça peut pas être aussi pixel qu'un grab de Blitzcrank, quoi. Hein, ça, c'est clair. Il y a des éléments qui sont plus compliqués. Donc, c'est que du par cœur, là, pour le coup. Hein, pour choper le grab. Où est-ce qu'il faut aller, vous pensez? Là, Def. Il va me faire aller jusqu'où, ce trou du cul? Putain, la vache, la vitesse à la fin. C'est important de... Je vais pusher la lane. Y'a personne, j'en profite. Ah, tu peux les péter directement en l'air! Mais c'est un truc de ouf pour pusher les lanes. Mais tu récupères pas les âmes. C'est ça, non? Ce qui serait assez intelligent, en vrai. Je vais pusher la lane à droite, en bas à droite, du coup. Histoire de les faire chier. Putain, l'enculé qui me fait ça, là. Il va m'enculer, lui. Il va m'enculer. Mais t'es cool, fils de pute. Yeah, shut the fuck up. Quel jeu de merde. J'adore. Yo, ça va tout le monde, tu peux y jouer, je l'attends trop ce jeu. Y'en a qui l'ont là, au pire on fait des games après. Hein. Le seul MOBA auquel j'ai joué s'appelait Genesis sur PS4, mais ils l'ont supprimé car personne y jouait. Je t'avoue que personne connaît. Il a l'air trop cool ce jeu. Non, franchement, bah, en plus si tu connais, si tu comprends si t'as déjà joué à LOL, et donc que tu comprends les MOBA, il est vraiment addictif pour le coup. Hein. Donc en revanche, je me suis fait soulever sur la lane. Ah, mes potes sont à gauche, putain, faut que je regarde plus le truc, on est d'accord. Ok, donc là, faut juste viser vers le truc, j'ai l'impression. Donc là, il y a du teamfight. Ok, il y a une tour, on voit le nombre de HP de la tour aussi, par exemple. Enfin, je me suis fait tirer dessus, là, ou pas? Quelle est la range de ce truc là? Je sais pas quelle est la range de ce truc. Il y a combien de mètres? Là ça me le dit. Ah, on peut les cliquer, ok. Ah, j'ai loupé. Breach our stronghold? Ok, faut back. Ah ouais, faut back là. Et si on fait... Ah, c'est space pour interrompre. Tout à l'heure, je me suis fait enculer à cause de ça. Là. Ok. Faut des push là. Ah ok. Faut vraiment regarder tout le temps la map. Bon là, pour le coup, c'est logique. Il a l'air trop cool ce jeu. Vraiment, il est vraiment trop cool. Quel est l'intérêt à tirer dans les trucs? Alors, aucun. Quand il y a personne qui peut... C'est juste le... Headed to purple. On va pas se les faire voler, c'est ça? Fall back, il a dit. Ah, mais là, on n'est pas sous la tour, du coup. Moi, je peux trop me faire niquer, quoi. Enfin, je vois pas sa vie à ça.
Oh, c'est horrible ce truc là. What? Putain, je vois pas mes HP partir quoi. Je vois pas mes HP partir en gros. We need more fire rate. Fire rate, ok, on s'en fout. Je vois vraiment pas mes HP partir. Si t'arrives à trouver des mates, tu vas te régaler, Six. Y a du monde qui l'ont là ou pas? Tu peux pas last-hit un million et tomber en attaque mêlée s'il est low HP hein, et ça te donne directement le nombre max d'âmes. Tu peux last-hit un million avec ton attaque mêlée. Ok, bah, je vais sûrement le mettre sur autre chose que la touche A où je trouve ça insupportable. Bon, on est en train de se faire enculer en revanche. Oh, le teamfight. Oh là 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 là. Gros teamfight, les amis. Je vais enculer. Spirit Urn is here. Merci infiniment au Chalk pour les 100 bits. C'était un monstre, mon poulet. Faut aller où là? Ils sont en train de pousser où? Nulle part, mais on va se faire enculer. C'est quoi au milieu de la map là? C'est quoi ça? Y'a quoi ici? Ah! Y'a le Nashor! Y'a la ligue de mer, ils m'enculent! What? Y'a le baron Nashor! Y'a un sgeg! Ah! Mais ils font quoi là, eux? Non! 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 Vas-y, niquez vos mères! Nique ta mère! Dans ma campagne sans fibre, ça peut être compliqué parfois, même si je fais tourner Valorant sans problème. Je me le tâte, là, le prendre bientôt en voyant ton gameplay. Après, est-ce que ça demande une bonne co? Mais je sais pas quand est-ce qu'il est. Il est pas disponible hein, pour le moment. Là, faut se faire inviter pour le moment pour pouvoir y participer. N'hésitez pas les amis si vous voulez me voir sur d'autres choses que Rainbow Six. Lâchez un petit sub, ça fera toujours plaisir. Autrement bah je vais retourner sur Rainbow Six qui est tellement exceptionnel en ce moment. C'est ironique. Mécanique à la League of Legends, bah c'est un MOBA pour le coup. C'est 100% un MOBA. Là pour le coup c'est clairement... qu'est-ce que c'est ? Mmh. 100% un MOBA. Bah, j'ai pas encore compris comment fallait prendre ce truc là. Mais pourquoi je l'ai mis sur mon pote? J'ai quoi là? C'est quoi la mallette là? Ah c'est comme Anivia. Full back? Where? Genre il snipe. Merci infiniment les Orias pour les 25 mois déjà. Oh mais là je peux pas pousser non. Cette merde. Going in.
Donc c'est mieux de les faire... Ah d'accord, ok. Tu peux charger la mêlée. Dégage. Je l'ai enculé. Il me fait mal avec son dot là. C'est quoi ce dot qui me fait du beatbox là? Mais... J'aimerais ne pas mourir en fait. Ah là c'était bon là. On a peut-être pas perdu en vrai. Ok, on va peut-être perdu en fait. Oh mais il est con lui aussi. Y'a plus de tower là, on est d'accord. Hein. Oula. Il y a des trucs comme ça cachés dans la map en plus. C'est beaucoup quand même, non? I see pocket. See what? Enemies have breached our stronghold. Oh, je la rate. Allez, dégage. Boum! Non! 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 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 12! Un HP! Et là je tombe. Oh l'horreur, le dot quoi! Attends, comment tu te heal? Tu peux revenir à la base, non? Bah voilà, forcément. Bien sûr que tu peux. Bon, tu perds 3 heures, forcément. Mais... On va prendre celle-là du coup. Il est bloqué lui? Non, c'est pour avancer ça. C'est vraiment Anivia ça pour le coup. What? Pourquoi il nous a mis ça? Qui? C'est quoi ça? Pourquoi j'ai un sgeg là? Oh, je le rate! Le c'est vraiment trop cool. Alors, à voir, ça doit être un peu le bordel quand même, on va pas se mentir. C'est qui lui? Oula, 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 il se passe quoi? Putain, non. Il fait quoi lui? Il a l'air vénère! Oh, l'enculé là! Mais c'est qui lui? Attends, je l'ai raté là? Nique ta mère. On peut revenir par là? Pas du tout. Ah! Attends, on peut monter que par là, ok. Putain, la vache! Yeah, ouais, mais on y va, on y va, on y va, on tient, même si on se fait enculer. Y'a pas un mec qui veut aller pusher la lane là? Et le truc au milieu, ils vont pas le faire? Ok. Quoi? Ok. Faut vraiment que je regarde la map 100% du temps.
qu'on arrête de pousser comme des totos là. Vous voulez le faire? Ils veulent le faire. Je fais des dégâts là. Boss du milieu. Si mes DPS sont mieux. Yes, ok. Et donc ça nous donne. Ça nous donne quoi? Comment on sort d'ici? Ok, pour garder le truc, il faut que ça apparaisse. C'est quoi cette merde? Ah non. Ok. Il y a un mec qui me donne de l'endu là. Il y a un mec qui a des chaises là. Et pourquoi est-ce que je peux le choper lui? Faut pas le péter ça. Pourquoi je peux pas pull back là? Pourquoi je peux pas remonter dans ce putain de tramway de ta mère la pute là? Parce que je suis en combat. C'est ça? Ça y a des infos à l'écran. Ah tu m'étonnes. Il fait quoi lui? Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck is going on? Yo Valou. Yellow lane, bah les couilles. Ok, ils vont sur tous blue lane. C'est pas celle-là frérot. Let's go to okay. York. Ils veulent pusher là? Sérieux? Mais ça c'est un teamfight, on est mort les gars. Si on est en teamfight là, on se fait enculer. Hein. Mais ça fait 2 heures que j'ai pas acheté un truc. Mais j'ai 6000 âmes. Putain, je suis tellement un putain de triso. Qu'est-ce qui est under attack? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils reviennent au bac? Ah putain. What the fuck is going on? What? Destroy item? Mais non, je veux rien détruire frérot. Donne-moi des trucs qui font que je suis un monstre. Oh là, je suis vraiment une merde.
prends ça sur ma gueule, toi. Bim. Combien de kills moi? Attends, je suis où? 25. C'est les creeps ou c'est la thune? C'est la thune, c'est ça? Ouais, je suis bien. Quoi? Qui c'est qui a fait ça? Ampli soin. Non, non, pour le moment, juste des trucs. Vas-y, juste des... N'importe quoi, je m'en bats les couilles. Ramasse balles si tu veux. Ah mais ça, je l'ai pas fait depuis tout à l'heure aussi. Ça, c'est pas mal. Reprendre. Quand tu prends des dégâts, tu peux pas, je crois. Ouais, reprends le truc. Ouais, ok. Bonjour à tous. Bon là, on est un peu en train de se faire sodomiser quand même. Yes. Vous en pensez quoi du jeu ? Yo, great time to shine. Vous lui mettriez combien pour le moment en note sur 10? Il a l'air hyper dynamique. Ouais, j'aime bien franchement. C'est vraiment sympa pour le coup. Oh, je suis trop mort. Attends, c'est quoi mes machins? V, c'est quoi? Mort et assist, non? V c'est victoire ou c'est prolongation de durée? Bon, faudrait tous les apprendre pour le coup. Build, parcourir les builds. Ah mais il est sympa ton build frérot, mais casse les couilles un peu non? Parce que c'est tout ça, c'est trop cher pour moi. Pourquoi il veut pas les acheter, frérot? C'est trop relou, il y a trop de trucs. Attends, on push là-bas? Nos potes sont en train de pusher. Ok, ok, why not, why not, why not? Putain, quand t'as pas l'accélérateur, ça dure 3 heures. 7 sur 10, ils prennent du smite, mais des graphismes. Bon, un tank que tu fais des beaucoup dégâts. Hein? Quoi? Moi, je suis pas un tank, moi, aussi. C'est un tank, ça, vous pensez? Comment ça, protection? Ok, lui, il est débile, en revanche, on va pas se mentir. Merci de s'éloigner. Putain, mais les dégâts là, c'est horrible ça! Ah, merci. Oh là là, le dot là! Trop relou quoi! Pop, 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 pendant 3 heures. Pourquoi ils sont neutres eux? Hein? Espace insuffisant. Pour finaliser cet H1, bon, ça me casse les couilles, ça.
Ah oui, là c'est marqué par ordre, c'est classé par ordre de thune en fait. Ok, ici c'est ça, bonus d'endurance, vitesse persistante. Oh. I don't know. Ah, c'est relou ça. Pourquoi ? Mais j'ai pourtant débloqué après que votre équipe ait détruit un sanctuaire adverse. Ok. Ok, ok. Oula. What? Il va m'enculer lui, non? Ah, bien sûr. C'est un sacré bordel! Bon, après, il y a beaucoup de trucs à comprendre. Et à connaître par cœur, forcément. Si je chope quelqu'un avec le crochet, tu peux lui envoyer le coup de poing vers ton spawn pour l'enfermer. Ou ce n'est pas possible? Ah, ça pourrait être pas mal, ça. Alors, c'est pas enfermé, en règle générale, quand tu les envoies dans le spawn, j'imagine que c'est comme ça doit être comme LOL, quoi. Le mec prend énormément de dégâts, quoi. Tu fais comment pour choper une clé? Yo, Badak. On me l'a donné. C'est une invitation, pour le coup. On m'a invité. Il y a trop de trucs. Ouais, sur les builds, c'est un peu complexe quand même. Les builds, c'est un peu complexe. Mais en vrai, ça va. Ah, tu peux pas avoir un jeu, profond. Et d'un autre côté, simple, hein. C'est normal qu'il y ait des trucs un peu complexes quand même, hein. Ça demandera un peu de temps, bien évidemment, quoi. Merde, attends, on se fait attaquer là, on se fait enculer. Ah, je suis une merde. Lui, il a 2 HP, lui. Non. Ah, nique ta mère, toi. C'est ouf ou quoi? Reviens là, toi. Ah, 159, ouais, t'en fais beaucoup plus de thunes quand tu les tues à la mêlée, c'est ça? Il se passe quoi là-dessus? Putain, la vache! Et ils arrivent pas à finir! Ok. On est où là? Ah non, mais jusque là. Bah ouais, mais bon. Si on back pas les gars, ça sert à rien. Non! Oh non! Pourquoi s'allumer sur lui? Je peux le mettre sur lui. Pourquoi je peux le grab mon pote en fait? Ah, parce que tu pourrais le... Mais il est con lui ou quoi? Tu peux grab tes potes. C'est normal? C'est pas mal n'empêche. Pour une logique de défense. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. L'idée est bonne. What? Non mais il m'encule! Attends, derrière! Get one
BIM! C'est qui le patron là? Oh, je l'ai enculé! Le combo était parfait! On peut gagner? Attends. C'est une blague? Vas-y, vas-y! You, le patron? Vas-y, ta mère en mange pas. Viens là. Ah, je vais mourir là-dessus. Nique ta mère. Vous pouvez rien faire dans tous les cas. Plutôt amusant. Votre partie était-elle amusante? Bah, j'ai pas eu le temps de répondre. Vas-y, mais attends, mais moi je voulais répondre convenablement, quoi. Oh, j'ai été nul à chier. 30k damage. Ce qui pue bien la merde, quand même. Mais ça allait sur la fin, quand même. Donc attends, c'est quoi, ça? Ah, mais c'est marqué. Ok, bah, c'est pas super bien présenté, mais bon. C'est le total d'âme. 34 thunes. J'ai fait 6 kills. Je suis mort 13 fois comme une merde. Ah bah mes potes m'ont carry. Coopération, donc ça c'est les assists. 13, en revanche c'était bon. Dégâts sur les occultistes, j'ai fait 23k, ce qui est pas assez. Dégâts aux objectifs, 1k. Ok, bon bref. Première game, donc pas ouf quand même. Et il y en a un qui heal à mort. Cliquez pour signaler cette personne. Ah oui, non, bah non. Je voulais lui dire GG quoi. Voir les graphiques. Putain la vache, c'est méga complet. Merci infiniment Nox pour les 3 mois de frais de scolarité. Comme vous le savez, quand on n'est pas sur Rainbow Six, pour moi ça compte double. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Les gens qui s'abonnent là, c'est les vrais de vrais. Ceux qui peuvent se permettre de dire « Bah non, franchement, moi je m'abonne pour le streamer et pas pour le jeu. » Et ça, ça fait plaisir. Mate pas content. Ouais, on sait pas, mec, il parle en russe, donc ça se trouve, il a dit très bien joué, tu vois, on sait pas trop en fait, quoi. C'est le problème des Russes, quoi. C'est comme les Allemands, dès qu'ils parlent, t'as l'impression que c'est agressif. Hein? Franchement, le gars, ça se trouve, il nous a dit je vous aime tous, etc., mais t'as l'impression qu'il va nous envahir demain, donc. Merci, Max Mater! Tiens, en parlant du loup, merci pour les 55 points de frais de scolarité. Les vrais de vrais sont là. Merci pour tout, vraiment. Je n'ai pas d'argent actuellement, mais je me sub dès que je retrouve un travail. Bah, qu'est-ce que tu fais sur un live Twitch, fils de pute? Va bosser, sac à merde, là. Arrête de procrastiner. Dégage. Tiens, je vais t'aider à aller travailler, moi. Ok? Il y a du boulot en face de la rue. Tiens, bouge pas. Allez, tac. Banni. Va chercher de l'argent. Hein? Voilà. Tiens, et puis prends une pub, en plus. Merci, O5, pour les 2 mois. Je l'ai mis que 10 minutes. Pour la blague. Vous êtes des monstres, en tout cas, vraiment. Laissez-moi aller pisser, justement, et j'arrive.
vrai. Y'a des gens qui l'ont le jeu ou quoi? Merci O5. N'oubliez pas, tous ceux qui veulent du Rainbow Six, ils peuvent faire les LSD la semaine prochaine. Samedi prochain du coup, dans une semaine. Salty Duel, 1300€ de PC à gagner. Donc n'hésitez pas, c'est pour les subs. Je viens d'arriver, t'en penses quoi pour l'instant du jeu? Ça a du potentiel que Spectre Divide, même si c'est des jeux différents. En soi, sur le papier, ça a beaucoup plus de potentiel que Spectre Divide. Mais pour la simple et bonne raison que derrière ce jeu, c'est Valve. Derrière Spectre Divide, c'est personne. Là, c'est Valve. C'est Valve, quoi. Counter-Strike, Half-Life, Team Fortress, voilà quoi. Rien que ça. Et Dota, du coup. Incroyable, la vidéo Airsoft, quand tu veux la prochaine. Bah, ça fait plaisir, les amis. Bientôt, oui. Dany, quoi, bientôt? Qui est-ce qui l'a, le jeu? Qui est-ce qui a un accès au jeu? Et comment est-ce que je peux inviter quelqu'un? Vous souhaitez inviter des contacts à participer au playtest avec vous? Inviter des contacts, hein. Ah mais je suis pas sur mon compte, parce que quelqu'un m'a invité sur ce compte, mais c'est un vieux compte en fait. C'est pour ça que je l'ai appelé 64 Smurf du coup. Vas-y. S'il y en a qui veulent m'ajouter, je veux bien les inviter. Yo Nut, comment ça va poulet? Petite question, c'est quoi le nom du jeu? Pour l'exclamation game poulet. Après Spectre donne un peu plus envie je trouve. Yo Papa Carton, merci pour les 28 mois déjà, t'es un monstre poulet. Merci à toutes les personnes qui envoient des subs et payent des subs quand je suis pas sur Rainbow Six. J'insiste, ça compte double pour moi. C'est bien ce nouveau jeu? Ouais c'est vraiment cool. Bah après, t'as déjà joué à League of Legends Nut? Voilà quoi. Faut avoir c'est assez complexe, c'est assez profond comme jeu. Donc déjà faut avoir déjà la logique des lanes de League of Legends quoi. Enfin d'un MOBA. Faut avoir une certaine logique des lanes quoi. Ok Grumpy tu m'as demandé, vas-y. S'il y en a qui veulent, gratos je vous le donne quoi. Bah alors ça, je sais pas qui sait ça. Hein. Luxia Just Resubed for 16 months. Ça fait un moment j'ai plus sub. S'il y en a qui veulent, profitez-en. J'invite. Je sais pas si ça marche tout de suite. Merci Luxia pour les 16 mois. Attends. Ah non, tu l'as pas invité, tu l'as recommandé. Vas-y, je vais inviter Mary. Comment faire? Je veux le jeu 6. 5 subs, les mecs. Ouais, ça vient d'augmenter. Non, mais je déconne, mais ajoutez-moi en ami si vous voulez. Je vais pas faire le bâtard, je vais vous recommander. L'invitation, c'est écrit qu'il reçoit dans un ou deux jours. Ah, c'est cool. Ok, excuse-nous, Nut. Tu veux y jouer? Invite-moi sur ce compte, parce que vous m'avez pas sur ce compte. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît, pour Nut Prime qui vient de lâcher 5 subs. Il offre la possibilité à Dosan, Kidjik, Rudy, je vais y arriver. Zelg Dink et Kazam, leur droit de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Un monstre. Plein de GG, plein de cœur pour lui, s'il vous plaît. Demandez-moi en ami et en avant. Personne ne veut, là. Après, ce sera trop tard. Ah si, en fait, il y a plein de monde. Saek, Five. Confirmé. Five. Mais faut que vous soyez connectés. Hein. Invité. Saek. T'es où, Saek? Ah. Invité. Qui d'autre? Atom. El Globo. Vous avez intérêt à être sub. Hein. Atom, je sais pas où t'es. Bah, il est vieux ce compte. Hein. Atom, je te vois pas. Si.
Ensuite, il y avait qui? Elle Trucmuche. Elle Clobo. Tiens, je t'ai invité. C'est bon? On est bon? Il vous reste 30 secondes. Merci infiniment, Yamino. Non, Yamino pour les 2 mois de frais de scolarité. Un monstre poulet. Envoyez plein de. Enfin. Non, mais merci pour les 2 mois, les poulets. Et bientôt le train de la hype. Allez, vas-y, déclenchez un petit train de la hype pour ce samedi. On peut drop le jeu? Oui, vous pouvez le drop, mais faut là, après, je vais pas le faire pendant 3 heures. Hein. Donc, ajoutez-moi un ami très rapidement. 6-4 Smurf. Fragmatic, Rasengan et Luxia. Ok. Fragmatique. Fragmatique. Après, c'était quoi? Il y avait Luxia. Et il y avait qui? Luxia. Enlève ton drapeau russe de merde. J'ai payé pour Alcatraz. On peut t'ajouter comment? T'es con ou quoi? Et sur Steam, frérot, je viens de te. Depuis 4 heures, il y a le nom qui est affiché à l'écran. Uchiwa, Mokatirio, Deadly. Je vais les oublier. Il y en a forcément que je vais oublier. Il y avait Uchiwa, je crois. Bon, je n'arrive pas à trouver. Deadly. Là. Il y avait qui? MDR, il est con, mais j'aime bien Alka. Ah, il est un peu con. Je t'ai ajouté. Mais sous quel nom, frérot? Redonne-moi le nom. Et là, j'arrête. Hein. Valoutre, vas-y. Si vous y jouez, si vous allez pas y jouer, ça sert à rien, hein, franchement. C'est bon, tout le monde? Uchiwa, avec un U, d'accord. Excuse-nous, Sasuke. Mokatirio. Ça va, première fois que tu parles dans le chat, toi. Ça va, t'es sub. Dites merci au moins, bande de bâtards. Mokatirio, c'est fait. Qui d'autre? Eh ben voilà! Ah bah ça déclenche pas le train de hype. On y est presque les amis. Merci Shulk d'avoir envoyé la possibilité à 5 personnes de payer leur droit de scolarité pour Vladun, Rawan, Abbas de Boomchick, le Body Reveal à Anerie, Theox 12. Ça vont tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de Shulk, le monstre. Il reste qui? Dites-moi. Les invitations sont généralement envoyées dans un délai de 1 à 2 jours, mais peuvent parfois mettre plus de temps à être envoyées. Ah ouais, tu m'étonnes. Blown et N9. Bon, après, ce sera vraiment que pour les VIP. Hein. Là, c'est parce que je suis extrêmement généreux. Blown. Blow. Et il y en avait un, c'était N9. N9. Alright. Certains l'ont reçu en 1 heure. Cimer. Pas de problème. En plus, t'es sub, poulet. Merci Shulk, t'es un monstre poulet. C'est bon? Merci pour ce ban de 10 minutes, j'ai appris de mes erreurs. Ah ouais, mais Gretem Touchan, va chercher du travail, connard. Rasengan. T'es pas sub, Rasengan. T'as envie que je clique là? Tu peux m'ajouter, Brahim? Bah oui, j'ai que ça. T'as envie que je clique, Rasengan, ou pas? Tu sais ce qu'il te reste à faire? Grumpy, je t'ai déjà fait? Oui, par pitié. Bah sub, fils de pute. Lâche ton prime, frérot. Hein? Du coup, faut attendre un jour. Apparemment, il y en a qui l'ont reçu en 1 heure. Si t'es pas dans la liste, de toute façon, c'est que ça l'a déjà fait. ABCD, Grumpy, t'y es pas. Donc c'est bon. Ça les fait disparaître de la liste une fois que c'est fait. Je suis pauvre, MDR. Ouais, on a tous des problèmes. Hein. Moi, en ce moment, j'ai un putain de problème à l'index qui m'empêche parfois de cliquer, tu vois. J'y arrive pas. Attends. Ah non, merde, j'ai cliqué sur le compte à côté. Merci Dany d'avoir offert à Rasengan ses droits de scolarité. Bam, t'as vu? Ok, c'est envoyé. Ouais, c'est comme ça. Vas-y, clique, s'il te plaît. Mec, chez qui? Chez toi? Toi, t'es sub, t'as le droit.
Mais t'y es pas, frérot, je vois pas de mec là. Invite Aimissim STP. Avec un I ? Ah, mais c'est MNOP. I. Je vois pas Aimissim, frérot. Y'a pas le Aimissim. Oh la vache, les gars. Pfff. Ah, heureusement que je suis extrêmement généreux. Sucez-moi un peu le sgeg dans le live. Dites-moi, je suis extrêmement généreux. Qu'est-ce que t'es beau et tout, machin, tu vois. J'ai envie de me faire sucer un peu. Virtuellement, bien sûr. Aïe. Frérot, je te trouve pas. Je suis débile ou quoi? J, K, L, A, B, C, D, F, G, H, I. I'm Sim, le vlin. Done. Regarde WhatsApp. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Il te manque rien? Il est lavé. Donc c'est Nut, chez qui j'ai dormi avant-hier, chez qui visiblement j'ai oublié quelque chose dans la chambre de sa copine, à savoir mon slip, sale, dégueulasse. Et du coup, il s'est dit, je vais faire une photo avec ça sur ma tête. Nut Prime, les gars, dans le chat. En tout cas, t'es le seul à faire ça. Ouais, moi, je suis un mec extrêmement généreux. Axinck, c'est pas dans le chat. Quelle physique de dieu, alors, cher proviseur. Vous voulez quoi, là, les autres, là? Brahim, tiens, il y avait toi, là. C'est bon, j'ai tout fait. J'ai fait tout le monde. Tu peux m'inviter? T'es pas sub. Faut que tu rack. Mec, faut que tu payes, faut que tu rack. Pas possible que t'en réchappes. J'offre le caleçon de Six. Non, en plus, il est tout neuf, là. Les Levis, là. Non, non, Ozzy. T'es pas sub, frérot. Ah, c'est comme ça, les gars. Tu m'as pas accepté, moi. Mais t'es où? Vous venez d'arriver. Ça fait une heure que je suis en train de faire ça. Tu m'as pas accepté, tu sais. Vas-y, vous me faites chier, hein, franchement. Axe Dinx, tiens. Qui d'autre? Pachiak, tu voulais te faire inviter, c'est ça? Tu viens de raquer, c'est bien. Merci, Pachi, t'es un monstre, mon poulet. Pachiak tirait Bapès et droit au campus. Non, non, rien, c'était pour la vanne. Ah, dur. Ah ouais, mais moi, mec, je peux pas autrement. Autrement, je peux pas vivre, le mec, je suis obligé. C'est l'équivalent d'une baguette de pain. Mec Natchi, t'as le droit, toi. Tiens. Chaud pour la vite. Bah, c'est quoi ton pseudo, frérot? Bah, je ne vois pas ton pas de fille, moi. Joue. Mais ferme ta gueule, dodo, là. Retourne te coucher, frérot. J'essaie d'être sympa avec les gens, je leur offre un truc. C'est bon? Y'a plus rien? Je peux y aller? On est bon? Mac démo. Fais pas un cœur, frérot. Ouais, il me faut plus que ça. Hein. Il me faut un sub. Hein. Ou un euro. Un euro de don. En plus, t'as un prime, enculé. Hein. Ce qui fait toi une personne extrêmement riche dans la vie. Hein. Ouais, forcément. Je vous le fais à 1 euro. Je suis radin. Ouais, bah moi aussi, je suis radin du clic, frérot. Donc, ça va pas partir. Voilà. D'autres questions? Eh ben voilà, c'est con. Toujours les riches, les plus radins. Ouais, ouais, bah c'est comme ça que t'es riche. Hein. Regarde Nut Prime. Mec, il offre 5 subs. Derrière, il va revendre mon slip. C'est bon? J'ai fait tout le monde? Je vous laisse 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Pachi, je l'ai déjà fait, frérot. Pachi, je l'ai déjà fait. Si ton pseudo n'est pas dans la liste, là, c'est que je te l'ai déjà envoyé. Ok. Voilà. Merci de Siop. Comment ça va, poulet? Merci pour les 14 mois, frérot. Vraiment. Passe au sub tier 2, parce qu'en vrai, cela te rapporte 1 euro, un sub normal.
Non, ça rapporte plus d'un euro quand même. Ils sont à 4,99 maintenant. C'est 70% de... 70%, c'est 2,37€ brut, un truc comme ça. Il me semble, hein, à vérifier quand même. Enlève 30% de 4,99 et le montant que tu trouves enlève 45% d'URSAF. Et voilà, tu l'as. Le nombre de saves que t'as gagné pour jouer avec toi, quelle aura incroyable. Et t'as vu un peu? Est-ce que c'est bon? J'y vais. Je me casse, tout le monde a été fait. Je reviendrai pas dessus. Hein. Hey, si je vous ai donné le machin, en revanche, s'il y en a qui l'ont là, ils viennent me le dire ici. Hein. Ils viennent dire merci, j'ai reçu l'invite. Normalement, vous allez la recevoir par mail. Qu'on puisse jouer ensemble. Mac Demo, va l'outre. Mac Demo, il a payé ou pas? Non, c'est un radin, il a dit. Que veux-tu? Il doit payer. Il doit lâcher son sub. Il doit lâcher son prime chez des mecs qui ont déjà 30 000 subs, genre Kameto. Putain, gars. On joue lundi. Non, mais là, je jouerai qu'aujourd'hui à ce jeu-là. Ouais, il est chez Amourante, c'est sûr. Faudrait savoir chez qui les gens lâchent leur sub prime. Vous pensez pas? Faudrait que ce soit public, cette information. Moi, avec mon sub, là, je peux rien avoir. Je viens d'arriver, c'est quoi le jeu? Ah, trop tard, Xiop. Ajoute-moi en ami. Ah, quoi. Quel rat, t'as vu? Amourante sub rentable. Mec, elle fait 2 millions d'euros par mois. Pour montrer sa schneck. Et moi, pour 1 million d'euros, je vous montre mon trou de balle. Franchement. Qui ici, pour 1 million d'euros par mois, montre son trou de balle? En vrai. Ah, il y en a 2-3 dans le chat pour 10 euros par mois déjà. Même 500 000. Moi, non. Moi, je le fais même en gros plan. Non, mais Axdinx, tu le fais gratuitement, toi. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont, là, le jeu, là? Et qui veulent venir avec moi, que je tombe pas avec des Vladimir Poutine, là. Je te le stream carrément en 4K. On veut une balls cam. J'avoue, une caméra sur les balls en dessous, tu sais. Faut pas attendre 1 à 2 jours. Ouais, mais il y en a, ils l'ont déjà depuis le 15 août. Hein. Tu le feras qu'une fois avant d'être ban, mais 1 million bien placé, ça vaut le coup. Non, mais attends, la meuf qui avait montré sa touch, elle avait pris que 3 jours de ban, frérot. 3 jours de ban. Hein? Ouvre un mime en vrai, t'es BG. C'est la caméra qui me rend BG. En vrai, je suis dégueulasse, frérot. Yeah, je suis dispo. 477-87-207. Oh, ok, ça marche. Bah écoute, ton numéro de téléphone, garde-le. C'est bon? Ah non, toi, Stump, t'es dispo dans le jeu, là? Mais vous êtes pas... T'es pas sub, les gars. Moi, j'aime bien les gens qui sont là depuis longtemps, quand même. Je pourrais te partir avec des gens qui sont là juste de passage et qui comptent déjà 100 heures sur le jeu, là. Bah, j'aime bien partir avec les habitués, au moins. Pas forcément sub, en vrai, mais au moins les habitués. Ça me paraît normal. Il est sorti aujourd'hui, aussi. Non! Non, il y en a... Mais non, il y en a qui... Non? Non, j'ai vu des tweets là-dessus à partir du 18. Hein. Des joueurs de LoL, histoire de bien capter. Je suis d'accord. Putain, la vache. You have a new friend. Oh là là. Vas-y, je me suis fait spammer la tronche. Ce que je veux dire, c'est que peu de personnes ont le jeu. Je suis là depuis le 1v1 de Vibracy quand même. Ok. Qui s'en fout? Six, t'as combien d'heures sur LoL? Franchement, 1000 heures, je crois. J'ai joué vraiment pendant 2 ans. Et surtout une année. Genre tous les jours, 6-7 heures par jour, quoi. Ouais, vraiment. Genre, je rentrais du taf et jusqu'à 2h du mat, quoi. Ça va faire bientôt 67 mois que je suis sub, ça passe vite. Ouais.
J'avoue, mais elle est belle la couleur, Taloulin. En même temps, t'es un vieux. Il a été officialisé aujourd'hui, mais certains ont accès depuis un moment. Oui, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Yo, Jericho. Bon, j'y vais ou quoi? J'espère qu'on va gagner. Putain, je serais bien parti avec des gens quand même, ça aurait pu être plus drôle. T'étais master sur LOL? Non, mec, j'étais plate. J'étais plate, full support. Il te faut des grands masters à la pixel. Oh là là. Hola, comment est-ce? Comment est-ce, Mabou? Toujours à Hawaï? Je te rassure, tu as pas vieilli. Ouais, je sais. Tu dégoûtes. Hein? Mec, je t'ai invité. Fais gaffe, toi. Non, à Los Angeles. Oh, excuse-nous. Il y a Wise sur le jeu. Ah ouais? Vas-y, mais il va pas me répondre. Il me déteste, Wise, en vrai. Il aime pas jouer avec moi. Il est toujours avec son petit truc, là, et sa petite vie, là, et son petit cocker. Il est sur le jeu, là, en live? Il va pas répondre. Il m'aime pas, en fait. Allez sur son live, dites-lui, réponds au téléphone. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Ah, prochaine fois, je laisse le numéro s'il répond pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon bro? Viens, on part ensemble sur Deadlock. Tu veux jouer? Ouais. Bah vas-y, si tu veux. Vas-y, on se rejoint sur ton Discord? Mon Discord? Viens sur mon Discord. Non, non, sur ton Discord. Il est plus beau. Ouais. Il est très bien rangé. Tu es bon sur le jeu ou pas? Non, bah non, mec. C'est ma deuxième game, là. Ah bah moi aussi, c'est ma deuxième game. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup. Puis je suis fan de Valve, donc... Vas-y, okay. On se retrouve sur... Sur ton Discord, j'arrive. Ouais, vas-y, à tout de suite. Tu voulais pas me répondre, à la base? J'ai pas vu ton appel. Et ouais, ensuite, ok, bien sûr. Ouais. Mmh. Et après, MD m'a dit ton tel Wise. Ouais, d'accord. Okay. Mais j'avoue que j'aurais eu un doute quand même de te répondre en live. Et puis je me suis dit, bon, peut-être qu'il m'appelle parce que lui aussi veut jouer. Ok, ça marche. Allez, bon, bisous. Wise Tug, messieurs, dames. Du coup, il a changé son logo, tiens. Il est où? Besoin d'aide, chill. Je vais me mettre là le temps qu'il. Bonjour. Alors, dans chill. Yo, attends deux secondes. Vas-y. What the fuck? Non, mais va dans. Attends, je te swap. Wesh, ça va? Oui. Alors, t'aimes bien Valve ou pas, toi? Tu connais un peu Dota, tout ça, ou pas du tout? Tu connais Valve? Mec, mais non, j'ai 60 ans. Je sais que t'as 50 ans, mais t'as joué à Team Fortress, tout ça, ou pas? Team Fortress 1, joué complètement, TFC des heures. Mais pas, jamais le 2, ce qui est assez drôle. Et après, donc t'as moi, joué je suis à TFC. Et puis après, moi, je suis un gros fan de Counter-Strike, quoi. J'ai plus d'heures de Counter que de Rainbow Six. Hein. Ouais, ok. Mais après... Ouais, moi, je suis fan de CS, je suis fan de Dota. Bon, j'adore Valve et Riot, c'est de la grosse bouse. Parce que ces mecs-là ne font que... Tu sais, dans 6 mois, ils vont faire... Nous avons conceptualisé un nouveau jeu vidéo. C'est un MOBA en 6v6 dans un univers steampunk. Attends. C'est Westug là qui est avec moi au téléphone? Normalement, tu fais pas ce genre de cynisme. Non, mais je fais popo sur Riot. Ah bon? Sans déconner. Oui, vraiment, je trouve ça nul, mec. Ça m'énerve, Riot. Et ça m'énerve que Dota soit si peu aimé en Occident à cause de... À cause de League of Legends, quoi. Bref. Mais parce que Dota était plus compliqué aussi, je pense. Et quand ils sont arrivés, ils se sont dit, on va faire une version plus... Riot est arrivé en se disant, on va faire une version plus accessible, je pense, que League of Legends. Mais apparemment, tout le monde s'accorde à dire que Dota, c'est vraiment un truc... C'est mieux que LoL pour plein de raisons. Non, j'ai jamais joué à Dota. Dota, c'est un jeu quand t'as plus de 100 de QI. Les joueurs de LoL ont moins de 100 de QI. Ok, ok. Ah oui, non, on est sur un live engagé. C'est quoi ton tag? Parce qu'on n'est pas amis sur Steam, il me semble. Enfin, pas sur ce compte-là, en tout cas. Je te donne le friend code ou... Ouais, donne-moi le friend code. Ok, 3, 8, 1, 2, 5, 9, 3.
304. Quoi? 3-8. Ça, c'est le friend code. Oh. Autrement, je te donne le nom. C'est 64-smurf. Hein. Tu vas me trouver avec le logo de la Salty. C'est pas mon. Je sais pas, quelqu'un m'a invité sur ce compte qui a 12 ans. 20 ans. 64-smurf. Putain. Non, vas-y, donne-moi le code de contact, s'il te plaît. Ok, 381. 381. 25. 25. 93. 93. C'est ce qu'il y a, Smurf, ok. Je rigole pour LOL, les bros, hein. Je reconnais que c'est un jeu qui a ses mérites. Par contre, reconnaissons tous que Riot n'a aucune force de proposition et qu'ils ne font que créer des jeux qui existent déjà pour les ouvrir à une plus grosse audience. C'est pas des mecs qui vont innover sur le marché. Voilà. Deadlock, ça innove. C'est bien. Ah ouais, non. Bah après, c'est pas un peu du Paragon Paragon ou Paragorn? Je sais pas, mon bro. Mais je pense sincèrement que LoL est en dessous de Dota, oui. Après, moi, j'ai toujours aimé Dota, j'ai 3 heures de LoL dans ma vie, voilà. Ouais, moi, c'est un peu l'inverse, j'avoue. Mais c'est parce que j'ai jamais pris le temps de jouer à Dota, quoi. Non, mais en même temps, mec, là, moi, j'avais envie de me remettre à Dota. Ça fait 4 ans que j'ai pas touché au jeu, mais c'est un truc, c'est... Tu peux pas, en fait. Même quand ton travail, c'est de jouer aux jeux vidéo, tu ne peux pas jouer à Dota. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a pas personne, ça non, n'intéresse c'est, personne, c'est une niche ça de niche. Personne, bah ouais. Oui, forcément. Ouais. En France, ouais, complètement, ouais. Qui est-ce qui joue? Les Russes, non? Il me semblait. Les Russes, il y a beaucoup de Russes qui jouent à Dota, ouais, il y a quand même une scène en Chine, etc., en Asie. Et il y avait une scène aux US, mais qui tend à disparaître. Mmh. Mais en fait, le truc, c'est que le dernier gros international, c'était quand même 42 millions d'euros de cash prize, c'était en Roumanie, ouais. À Bucarest, pendant le Covid. Et malheureusement, ils l'ont fait à guichet fermé, et ensuite, les internationaux suivants ont beaucoup moins bien marché. Ok. Bref. Vas-y. Je sais pas comment t'inviter. On est en haut à droite, on est déjà ensemble. Eh bah jouons. Jouons à Deadlock. Je sais pas trop quel personnage t'as joué toi. Moi j'ai pris l'équivalent de Blitzcrank. Bah oui, mais t'as pas la rêve du coup. Bebop. Blitzcrank si, c'est Pudge. C'est non, Pudge, Bebop. Non ouais, enfin je sais pas parce qu'il il ressemble un peu à Blitzcrank vite fait et surtout... C'est le truc qui hook, c'est ça? Ouais, voilà. Ok, donc c'est Pudge. Bebop. Riot ne s'est jamais autoproclamé un studio innovateur. Non mais je rigole les gars, juste j'aimerais bien que Dota soit plus apprécié en Occident et LoL a pris toutes les parts du marché et je trouve que c'est un moins bon jeu que Dota de façon objective et je trouve que la DA de LoL pue de la merde. Et voilà, je suis un peu un hater de Riot mais parce que tout le monde aime Riot et que moi j'aime pas Riot mais j'ai rien contre le Attends, jeu. Attends mais il est où le Westock qui voulait devenir photographe animalier et qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ce cynisme Non mais j'ai tout... mais tu me connais mal 6-4 je pense. Ah ouais ok. Tu me crois me connaître. Eh, c'était l'anniversaire de Oli non hein. C'était l'anniversaire de Oli le 7 avril. Ok. Mais, ah, mais ah non. Important. Ah oui non j'ai regardé Instagram et du coup ça devait être l'une des dernières photos pour ça. Ouais je pense. J'ai vu ton réel pour la version. Je savais pas qu'ils avaient sorti une version mobile de Fall Guys. Hein. Voilà, c'est tout. Ah, et bah ouais, et ça marche plutôt bien, franchement, pour le coup. Après, je vais pas avoir le temps d'y jouer parce que je vais consacrer ma vie dorénavant à Blitzcrank sur Deadlock. Je sais pas quoi jouer en fait, ça m'angoisse un peu. Mais je vais retirer ce personnage. Je vais retirer Seven. Et je vais prendre. Lâche, ça a l'air chiant. Inferno, ça a l'air chiant. C'est quoi l'avenir de ce jeu? E-sport? Pas e-sport? Ça non, marchera, non, ça marchera pas? Non. Je pense que ça marchera pas. Mais honnêtement, je pense que ça marchera pas. Parce ça que c'est Valve et que ça marchera pas. Mais par contre, je pense que c'est un bon jeu, ouais. Ouais, donc ouais. Ça a vocation à être e-sport. Hein. Bon, ça restera. Je pense qu'il y aura une communauté. Il y aura toujours entre 7 et 15 000 personnes actives sur le jeu. Mais voilà quoi. Je pense pas que ça cartonne. Mais avec regret, hein. Moi franchement, je pourrais all-in dessus, hein, mais... Ouais, mais j'y Valve crois pas. N'a pas la puissance d'un Riot, quoi. Mais j'aime bien, franchement. Non, franchement, c'est cool. Vraiment, c'est un bon jeu bien fini, ça, c'est sûr. Bon, mec, je sais pas, vas-y, je prends un paradoxe. Et je vais pisser le temps que ça load, j'arrive. Vas-y, je t'en prie. Bonjour le chat de Wastug, comment ça va? Il est toujours aussi aigri, Waze? Ça, c'est la vie parisienne, les gars. Depuis qu'il est à Paris, il est devenu... aigri. Attends, on peut pas siffler? Maintenez Eleftal pour débloquer une machine. Ok, donc suggestion, le hook, forcément. Alright.
Il déteste Riot depuis toujours, il se transforme quand il entend le nom Riot. Bah, ça fait chier d'aimer quelque chose, d'accord, et de voir des concurrents arriver et ne faire que copier la dite chose avec plus de succès. Parce que du coup, quand tu connais l'original, tu te dis putain, mais pourquoi vous jouez pas à ça, quoi? Et LOL pour Dota, tu vois. Mais moi, c'est la... Franchement, ce que Wastug ressent pour Dota et LOL, je pense que c'est à peu près la même chose que je ressens pour Valo. Après, j'en ai bien profité pendant 6 mois, je faisais que du Valo pour le coup. Mais j'ai ressenti la même chose. Il y a une partie de moi qui me dit, quand on me demande est-ce que tu vas te remettre à Valo, je leur dis, bah, quitte à jouer à Valo, je préfère jouer à CS en fait. Voilà quoi. Let's go. Ah, mais on est sur la même lane en plus. Nice. Littéralement excité. Let's go. Genre vraiment, j'adore la DA en plus, steampunk et tout. Après, très le jeu joli. Est un peu désuet. Un mais peu Tim Burton, je trouve. Aussi. J'adore. De toute façon, Valve, moi je les suce, Valve, mec. Okay. Vraiment, je les suce, tu vois. Mais je les suce. Je sais pas qui t'es, toi. On est je à droite ensemble, c'est ça? On est ensemble, ça. Ouais. Attends, la lane à gauche, c'est pas prise. Je vais les ou casser vite. Hein. Il vient sur moi, il est sur moi. Ah, ouais, mais ils sont deux. Ah, mais la lane est abandonnée à gauche de la prendre. Sinon. Ah merde! Bon. Putain, j'aurais bien été avec toi. Ok, ça roule. Non, on se pousse pas. Bah écoute, je vais rester sur la tour. Je sais qu'on bonhomme, mais oh, la DA de ce perso, elle est tellement cool, mon dieu. Tout est bien. Ah, je suis d'accord. Valve, I suck you. Ok, ah ok. Putain, la vache, t'as méga changé, frérot. Mais non, mais tu sais pas, mec, moi c'est fini, hein, je me fais ban sur Twitch dans 2 mois là. Donc tu montres ton sgeg, tu penses? Non. Ok, non, je sais pas. Bombe de quintessence. Dame Geist sacrifie une partie de CPV pour lancer une bombe qui inflige des dégâts pour envoyer de la redap. Ok. Ce qui est marrant, c'est que comme c'est le début du jeu, tu peux prendre des personnages tier F en fait et ne pas le savoir. Oh, il avait 1 HP. Le début du jeu des personnages tier F. Ah, oh mec, c'est tellement bien. Ah ouais, il est vraiment j'adore, bien. Moi, les débuts, j'adore les débuts de jeu. Moi, j'avais adoré Valorant sans les 100 premières heures. Et après, je me suis rappelé que c'était Riot qui avait. C'était occupé du jeu et j'ai arrêté. T'avais persisté un petit peu, toi, dessus. Sur quoi? Sur Valo. Ouais, carrément, 6 mois, ouais. Ouais, ouais. Je me souviens, t'avais eu ta période. Après, t'avais entendu le bon sens, quoi. Bah c'est pas ça, c'était surtout que les gens étaient en mode oui, la hype elle est finie, c'est fini Valo, machin. Les mêmes personnes qui un an après sont en mode ouais, pourquoi t'es pas sur Valo, c'est génial Valo. Bon voilà quoi, c'est toujours pareil, c'est le principe de la mode. Hein. En vrai si ça te plaît R6, je pense que t'es bien mieux sur R6 que sur un jeu comme franchement, Valo. Moi j'ai besoin de que mon cerveau soit un peu sollicité quoi, jouer depuis 10 ans au même jeu, bon il y a un moment où c'est un peu chiant quoi. Oh, j'adore le putain! Valve, I suck you! I suck you, Valve! Ça me rend complètement débile de jouer à leur jeu là. Genre la DA de ce perso, j'aime tellement. Mec, je gagne mon 1v2 quoi. Ah, parce que t'as un 140 de cul. Exactement. Donc t'as arrêté Valo juste à cause de Riot, c'est-à-dire que si Valo avait été édité par Valve, tu serais resté? En vrai de vrai, je me suis rendu compte que c'était ultra compétitif aussi, parce que je réfléchis en termes de création de contenu, et c'était impossible de faire Apex et Valorant au même level. L'investissement était trop grand et trop compétitif, donc j'arrêtais. Et j'étais pas non plus complètement convaincu par la recette de Valo. Voilà. Je trouvais ça sympa parce que c'était neuf en fait. Mais disons que l'excitation que j'avais, que j'ai là par exemple sur Deadlock, je l'avais pas du tout sur Valorant au début quoi. Je sais pas quoi fait ce que fait mon perso. Dame, gay, ça fait que lancer des éclats de sang. Okay. Early game 500 souls. J'adore ce jeu. En revanche, quand t'ouvres, quand même ils essayent vraiment de t'accompagner, de te tenir la main, machin, il y a une profondeur quand tu vas dans le shop et tout, t'es en mode what the fuck. Bah oui, fuck. Bah oui, Mais le fait d'avoir mis des builds, comment dire, tu puisses avoir directement accès ouais, au build. Comme sur Dota, ouais. Ah ouais, c'est ok. Ouais, géré Dota, par la commune. Ok. Ouais. C'est incroyable. Heureusement, ça. Sinon c'est trop compliqué. Ouais.
Oh, bien joué de sa part. Tu penses à bien récupérer les orbes quand tu las hit. Pourquoi? Parce que ça te donne des points en plus, sinon ils peuvent te le deny en fait. Ouais. En fait, okay. C'est une mécanique de deny de Dota. En fait, si le mec fait un last hit, tu peux lui deny sa. Son orbe, ce qui lui fait gagner moins de points. Ok, bien sûr. Sur Dota, tu peux deny en fait. Bon, par contre. Je comprends pas trop ce que je dois faire, créer un lien avec ça. J'adore le ce personnage. En fait, soit la. Si la sphère s'en va. Ouais. Pardon. Si la sphère s'en va dans les airs et qu'elle est pas deny, tu récupères les points. Ok. Mais le mec peut te deny si jamais il rate en phase. Ah putain. Il s'est joué le mec en face. Il faut toujours être invité pour jouer, ouais. Ils y vont doucement. Hein. En fait, le seul truc qu'on peut reprocher au jeu dans l'état actuel, c'est que la map est un peu techniquement. Tu veux me faire. Oh putain, il m'a chargé ce bâtard! Ah putain, a éclaté! Oh merde! Merde! Putain, j'avais pas vu que ma tour allait mourir, du coup ils m'ont dive. Ah les bâtards! Ton dive bien profond ou pas? Bien, bien profond là. Parfait. J'aime quand t'as mal. Ok. Ah mais mec, c'est fini. Ah ouais, putain, là. T'en as plus rien à foutre quoi. Là, dans 6 mois, l'autre il fait de l'hélicobite avec en live quoi. Ok, ok. Non mais c'est surtout qu'en fait quand tu joues à un MOBA t'es forcément, tu deviens tout de suite agressif, méchant et con. Alors que Apex hein. Alors qu'Apex tu deviens juste débile. Ok. Parce que le jeu n'a pas vraiment de profondeur de gameplay tu vois. Venez focus nos vailles dans le cercle avant de mourir. Voilà. Tu penses que tu peux envoyer une petite invite? Ouais mais je peux peut-être. Ah, je l'ai faite tout à l'heure. Je sais pas si j'ai accès déjà. C'est combien, t'as combien d'invites disponibles? Je sais pas, c'est pas limité en nombre j'ai l'impression. Ok. A voir, ça se trouve il y a un moment où le truc m'aurait dit stop quoi. Ah putain. Mais je crois qu'en plus quand tu deny, c'est encore mieux que ça, c'est que tu récupères même toi des... Mais il me semble qu'il vaut mieux les last hit à la mêlée apparemment, hein. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Oui, en fait quand tu les last hit à la mêlée... tu les valides directement. Oui d'accord, ok. J'ai l'impression que ce perso est assez technique. Mais pourquoi tu me fais ça? Ok. Je sais pas ce qu'il me fait, ça m'énerve. Putain, il me die frérot, il me défonce à chaque fois. Oh le bâtard. C'est une dinguerie. Ah putain, je sais pas ce qu'il me fait là. Illimité accès direct? C'est vrai? Bah je vais inviter tous mes amis alors. 50€. Faites des donations, 50€ à 6-4, 50€ à moi et on vous invite. Prix d'un jeu. Et au fait, Ubisoft ils t'ont invité pour faire des casts et tout ou tu l'as toujours dans le fond toi? Non, okay. C'était une vraie question. Bah ouais, je sais pas ah, mec. Ouais, non. Ah non, ça fait 4 ans qu'on se parle plus non. Ça n'existe pas. Ah non, ça n'existe plus, y'a plus rien. Ubisoft et moi, c'est fini. Ok, mais tu continues de leur faire gagner de l'argent quoi. Ouais, exactement. Et, bah, et c'est réciproque pour le coup. Y'a une certaine réciprocité là-dedans. Une relation toxique. Exactement. Alors, je ne comprends pas ce que je suis censé faire. Damn gay, c'est genre je te fais avec une unité, une Oculus, tell me. Donc c'est toi qui est avec moi? Nickel. Ah, ouais, je sais pas du tout quoi faire avec mon perso, hein, mais... Lui il me casse les couilles depuis tout à l'heure. Oula. C'est ton glace. J'y vais, j'y vais. Ouais, je suis bloqué par une glace impénétrable. Ah ils m'ont tué, ils m'ont tué, ils sont low HP hein. Mais là j'avoue. Fais chier. Désolé. Ah elle peut faire exactement la même chose que
Attends, comment elle s'appelle la nana asiatique dans Overwatch? Parce qu'elle lui ressemble vraiment, quoi. Hein, Je te l'ai mis dans la tête! Ok. J'aime bien. Oh. Comment elle s'appelle déjà? May. Mm-hmm. Ah, le wall, mais qui faisait ça? Bah, le mec, la nana en face de nous là. Elle fait un wall un peu à la Anivia dans LoL aussi. Enfin, il y a tellement de trucs qui sont pompés tous les jeux. Et sachant que t'as pas joué à LoL ou pas trop, et moi j'ai jamais joué à Dota, les rêves sont pas les mêmes forcément. Ouais. J'ai zéro rêve de LoL. Quoi. J'ai l'impression que ce perso est bien, mais je ne comprends pas son utilité exacte. C'est un le truc qui vole de la vie. Ouais. Dams. Gay sacrifie une partie de CPU pour lancer une bombe qui inflige des dégâts pour un bref délai. Je push la tower, t'es pas avec moi, ok. Non, sorry, j'essaie d'aller lane 3. Je vais essayer de tuer le mec qui arrête pas de me victimiser. Ah, mais là ça sert à rien. Our blue guardian has been destroyed. Ah là, je peux pas, si je push, je suis mort quoi. The spirit urn is waiting to be claimed. Pourquoi il y a des endroits qui sont flous sur la map? C'est quand tu rentres dans leur lane qui est contrôlé en fait, je crois. C'est, ton perso c'est Iso sur Valorant? Non, je connais pas. Désolé. Moi j'aimerais bien trouver Lina de Dota là. J'ai l'impression, ouais, je suis pas méga fan. Ton ulti a l'air d'être assez clutch en 1v1. En gros, t'échanges la vie avec un personnage adverse. C'est assez terrible. Allez, pas. Nice. Oh, je les ai baisés. Oh, le bait. Bien joué. Magnifique poulet. On les a baisés. On les a niqués. Ouais, on peut. Y a... Ouais, je reviens du coup. Chaque charge ralentit la cible au moins les dégâts infligés par Madame Gaze. Ouais, j'adore, mais je ne sais pas ce que ça fait. Tu joues toujours le même perso là? Moi? Ouais. Ouais, moi je suis le genre de personne, je joue un perso quoi. Ok. Ouais, moi non, mais je vais peut-être essayer de le faire pour tuer tout le monde, quoi. Y a trop d'éléments, déjà. D'abord la méta, les mécaniques, etc. Donc du coup, je préfère le faire avec un seul perso. Et ensuite, une fois que je suis bien avec la map, les mécaniques, les trucs de base, après je vais mettre un autre perso, puis un autre, puis un autre, quoi. Mmh. Moi, j'ai tendance un peu à jouer un peu tout, quoi. Ouais. Self damage, ah mais c'est énorme. C'est qui là? C'est toi qui es parti à droite là-bas? Ok. Ouais. Ah parce qu'ils ont pété la T1 du coup. What the? Oh, on va pas trop pouvoir pusher ici. On est où nous? Ouais, on est en train de contrôler en vrai. Après en vrai Vas-y. Ah, il m'a stun. Oh là là, mais lourd. Il m'a défoncé. Oh, il me tue. Il est mort. Non. Il a 2 HP, hein. Ouais, mais j'arrive pas à le voir en fait. Nice. C'est toi qui l'as eu? Ouais. Nice. Après l'assist. Wow, what the fuck? Non, j'ai fait mon ulti à swap, putain, fuck. Il fait quoi ton perso toi là? Il fait des trucs avec la vie, il peut swapper sa vie avec celle d'un adversaire. Swapper carrément. Et ouais, en gros, c'est un peu le truc, tu vois, pour vraiment burst un joueur à mon avis. Je pense que le truc c'est si tu prends un 2v1 par exemple, tu te fais défoncer par un Gus pendant que tu tues l'autre et tu swaps avec le deuxième. T'as l'air d'être fort en vrai, hein, mais j'arrive pas tout à fait à comprendre ce qu'il faut que je fasse. Je préfère Dota à LoL niveau MOBA, mais je trouve vraiment dommage que Dota attribue des noms communs à leur personnage du genre Shadow Shaman.
Je sais pas. C'était vraiment le Dota original qui était comme ça, quoi, en fait. Ah, tu peux vraiment passer d'un tramway à un autre, là. Ça, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est stylé, ouais. Merde. J'aime bien aussi le fait que tu puisses vraiment mettre des headshots là, ils sont assez satisfaisants. Ouais, j'avoue. Ouais, au final, tu vois pas le temps passer en fait, hein, parce que t'es toujours focus sur. Y a pas un moment où t'es tranquille, quoi. Ce qui m'a mis par contre là, c'est une dinguerie. Là, tu vois, j'ai swap. Putain, j'ai failli dessus sa mère. Ils m'ont bait, ces fils de pute. Le mec était caché et qui. Oh là là. Je suis pas si fan que ça. Ouais, je vais aller avec lui. Il est mort, lui ? Nice. Oh merde, ça bouge derrière. Là sur la purple. Je vais line bleu. C'est quoi ça? Le. Je crois que c'est un mec qui nous parle, non? Non mais il y a un vase là. Je sais pas ce que c'est. Son machin là. Alors ce qui est cool avec le grab, c'est que tu peux tu vois, je peux grabber des teammates. Je trouve ça incroyable. Ah, ouais, mais comme sur Dota hein. Ah ouais, c'est Pudge Dota, sur le perso qui grab sur Dota, c'est Pudge. J'ai zéro référence de Dota. Oh, je le rappe. On a fumé line violette. Ouais, ils sont trois là, ils sont trois. Là, il y a un team fight quasiment. T'es où? Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font mes potes là? Ils bougent pas là. Ah, oh, ils vont die. Il y a Roshan au milieu. Ah, y'a le. Oula. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont pushé tous les deux. C'est totalement out of lane. Il y a des mecs qui sont pas très très bons avec nous, j'ai l'impression. Oula! Oula! Oh, le fils de pute! Ah, j'aime bien quand tu parles mal comme ça. Allez, ciao. Ah, si t'es là-dessus, t'es étourdi, putain, c'est horrible! S'ils te prennent sur le tramway là. Ça te fait quoi? T'es étourdi! Ouais, mais ils sont masse là à gauche. Ah bah là, ils étaient tous sur moi là. T'es mort? Non, j'ai réussi à me barrer. On a un mec à déco, putain. Oh fuck. Oh, j'aurais pas la range là-dessus. Ça marche bien le système de last hit, je trouve. Hein. Oh merde. T'es où là? Là, je suis mort. Ah, oh, fuck, j'étais à droite tout seul. Ok, j'ai deux. Ouais, je me suis fait gang bang. Non mais là ça va teamfight, faut faire gaffe. Et y a une espèce, il y a un Ashor au milieu, enfin un truc là, un gros boss du milieu, il s'appelle. Je pense, que ça te donne un truc qui te permet de... Ah putain, enculé. Qui te permet de revive si jamais tu meurs, quoi. Ok.
essayer de jouer ce personnage parce que... Ouais, c'est ça. Je vais essayer ce personnage. Je vais lane bleu. Ok. Ah là, c'est en train de se fight en yellow là. Ouais, mais là, ça deux. Oh putain, ils nous ont fumé notre big tour là. Oh le bâtard. Il est où lui? Fuck. Je sais pas ce qu'ils font nos potes là, ils sont totalement... Faut repousser la lane hein, faut vraiment lane control là, parce qu'on est en train de se faire... Oh bah lui il est mort par contre. Oh bah lui il est... Qu'est-ce qu'il fait là lui? Voilà. Passe-toi. Oui. Okay. Papy est mort. Oh. Tiens bien la chérie. Ah ça te met un... ça te met un petit truc. En plus. Ah je vois pas, un buff. Un peu ouais bah une fois de plus je vais te donner, un peu à la trèche sur Ouais j'ai l'impression que ça te mettait un mini shield quand c'était pris. Ce qui serait assez logique d'ailleurs. On essaie de tuer le boss, oula. Le boss central ou pas? Il y en a un sur le boss hein. Ah on a du monde sur le boss? Ils sont tués ou pas? Marrant de tuer Roshan. Ouf. J'adore ce... Ah non mais ce spell est marrant de ouf. Voilà, t'es chaud, c'est toi? Non 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 non. Pas moi mieux là. Ah je suis trap. C'est quoi ça? Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, j'en prends plein la gueule là. Oh là là, j'en prends plein la gueule. Oh non 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 non, là on s'est fait défoncer. Ah je me suis fait défoncer. On a encore envie en vrai. Eh ben c'est pas les miennes, c'est pas moi. Oh putain. Merci infiniment le Guise pour les 5€. Ah, on est 5v6. La catégorie Twitch c'est pas la bonne. Ah, on me dit que la catégorie Twitch elle est pas la bonne. Il y a deux deadlocks, moi je me suis trompé moi au début. Je l'ai changé là, est-ce que c'est bon? C'est celle avec 61k viewers quand même j'imagine. Mais oui, il y a un vieux jeu deadlock, mais je suis pas le seul hein, et je crois qu'il y a 9k viewers sur ce vieux commencé, jeu du coup. J'ai commencé dessus. Ouais bah j'ai fait la même erreur. Sauf que je l'avais cru changer et visiblement ça a pas marché. Oula, c'est en train de se fight sur nos deux towers là. Viens là toi. Allez. Lui il est con, bien ouais je peux l'air. T'as un snipe derrière. Je fais ça de jouer. Viens là toi. Oh. What the fuck. What? Oula. Oh, oh l'enculé, il m'a fait trop mal. Oh je suis mort. J'ai du mal à voir mes HP qui disparaissent en fait. Ouais c'est, non, c'est... pareil. Ouais hein. Je sais pas, je préférais qu'il y ait plus de rouge ou un truc ou je sais pas. Après c'est parce que t'as pas la... l'habitude d'aller chercher l'information en bas à gauche. Ouais, ouais je pense ouais. Ah, je suis en train de regarder la killcam. Ah, j'ai une killcam. Ouais, tu peux faire R quand tu meurs. Ah, c'est sûr. Et t'as une caméra post-mortem, ça s'appelle. Et tu vois ce qu'il t'a fait? Ouais, ouais. Le mec. Ouais, on voit l'action. Ça, c'est vraiment pas mal. Pour essayer de comprendre, à la limite, peut-être ce qu'il avait. Qu'est-ce qui t'a fait des dégâts? J'arrive avec vous, du coup. Il y a un teamfight, là. Ok. Derrière. Ah! Ah, je suis un peu débile! Je suis un peu débile. Je suis allé un peu trop loin avec le tramway. Je vais trap. Je
vais essayer d'en grabin là. Allez, c'est parti. Oh non, merde, j'ai grab la tower. Ah, ils me font trop mal. Qu'est-ce qui me fait des DPS comme ça? On n'a pas de healer, j'ai l'impression, en plus. Non. On avait de forme, mais... Ah non, je vais mourir. Oh là là. Oh putain. Oh, c'est mangé un de ouf. Ah ouais. Mais là, le problème, c'est impossible. On est 4v6, mec. Il y a un mec qui est en haut à gauche. Ah, mais c'est vrai que c'est du 6. On est 4v6. Et il y en a un qui a déco. Ouais. Ah ouais, non, bah ouais. Mais oui, je suis débile. J'avais pas vu. C'est impossible. Ok. Et merci à tous ceux qui se sub. Merci de sub pour les 14 mois encore. Allez. Je sais pas si j'adore ce perso. J'arrive pas vraiment à trouver un truc qui me correspond, qui corresponde à ma personnalité. Merci le Guise d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur scolarité. Merci mon poulet pour Nocif, Evan, Uchiwa, Zetius et Scarbring. Ça compte double quand je suis pas sur Rainbow Six. Vous êtes des monstres, les amis, vraiment. Ça me touche énormément. T'arrives pas à trouver un perso, tu m'as dit? Ouais, qui me plaise, hein, vraiment. Ouais, bah. Là, il va falloir. C'est des heures et des heures déjà pour tous les jouer. Je pense que t'as 150 heures minimum pour connaître le bas du jeu. Ah oh, oui. Ouais, pour tous les connaître, connaître leurs counters, quelles sont leurs qualités, leurs défauts. Imagine la densité du jeu. Ouais. T'as un MOBA en TPS avec de la verticalité. C'est... Bonne chance. Ouais, parce que même la map en elle-même, elle est pas simple quoi. Même la map, il y a plein de petites. Putain, par exemple, là, je viens de trouver un TP. Première fois que je trouve ça quoi. Il y a un TP dans la map qui te permet du coup de swap des lanes. Dans le métro, c'est tu peux... Voilà. C'est assez décourageant en vrai, mais c'est excitant en même temps. Mais je pense que le jeu marchera pas en vrai. J'adore, mais je pense que le jeu marchera pas. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, mais... je suis dans le mauvais sens. Moi, je suis derrière eux, mec. Ah mais tu vas te faire niquer. On est toujours, hein. Ouais, mais on est toujours. J'arrive de la gauche. T'en as un derrière toi, fais gaffe. Derrière toi, y en a un. Ah, le swap de vie, mec, c'est une dinguerie. Mais swap de vie, ça doit être incroyable quand même. J'ai tué un mec. Je suis arrivé sur lui, ils m'ont détruit, j'ai swap et j'ai tué. C'est très... En fait, ce personnage est dévastateur à cause de ça, je pense, si tu joues bien, quoi. Mais c'est trop fort, mais... Viens par là, toi. Hein. Mais ça, c'est pareil. Et le fait de pouvoir grabber ses teammates, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est sûr. Dès qu'ils sont dans la merde. Ouais, je vais réessayer de. Je vais essayer d'utiliser ce personnage à bon escient, mais. Je trouve ça dur. Trop mal. Dingue, mec. Pensez les éclatants qui appliquent. Une charge de malice. Move slow. En tout cas, le système de base du jeu y est quoi. Ça les persos. Ouh, je l'ai pas eu. Oh mais la sirène là, c'est horrible hein. J'ai grave mon pote. Je sais pas ce qui se passe quand tu tires dans les... Ça les fait tomber juste les. Les creeps. Les creeps, ouais. Pense, ouais. Quand tu tires dans leur, ouais, dans leur truc. Putain, mais c'est en train de se faire là en fait. Non, qui est mort. Hein. Ah, on essaie de win, on essaie de pas être des salopes, c'est ce qu'il y a. Vas-y, ok. Et je vais inviter mes amis après. Genre, t'as des amis
IRL. J'ai deux amis. Non, j'ai pas d'amis IRL, mais... Ok, ouais, moi non plus. Hein. Si, j'en ai, mais pas beaucoup. Mais si, faut que tu joues à tes jeux, là. Où tu m'as jamais invité, d'ailleurs. De quoi, les jeux de rôle ? Bah oui, grave. C'est le même groupe avec qui tu joues pendant deux ans, mec. C'est un peu compliqué comme... Oh, on l'a abattu, le truc. Ouais, j'ai utilisé mon ulti dessus. C'est quoi ton ulti ? C'est une espèce d'énorme laser. Non, vraiment, c'est okay. Vraiment ça. C'est le chat, c'est un peu le Vel'Koz sur... Mais pareil, une fois de plus. Je suis désolé, frérot. Mais ouais, je sais bien, mais comme tu te dis. C'est pour ton chat, écoute. Il y en a 2-3 qui doivent quand même jouer à LoL. Et le mien aussi. Hey, il est pénible, le mec. Il est relou, lui. Wow ! What the fuck ? Ah, je me suis fait enculer. Je suis sur la boule. Je suis sur la boule, littéralement. Ah, je me suis fait laver le cul. Je sais même pas ce qui s'est passé. Ah bah si, il y a eu l'engage de l'autre là, qui est une espèce de dash. Cette partie peut-être quitter sans risquer. On quitte la game, mec, on est en 6v5. Vas-y, c'est de la merde. Vas-y. Quitter le jeu, quitter la partie. Attends, ouais, on va leur dire GG quand même. You suck, you piece of shit. Fais gaffe, te fais pas ban. Ah ouais, non, je m'en fous. Bah non, on veut jouer. T'es con. Mais ça va pas être instant, le ban. Ah si, c'est direct, mec. Ah merde. I'm kidding. Je sais pas quoi jouer. Rocket. Vindicta, parfait pour les novices. Merci beaucoup, Denain, pour les 55 mois, t'es un monstre. J'ai joué pour voler sur des adversaires. Ouais. Fortuna. Quelqu'un m'avait dit que... Paradox était sympa. Manipule l'espace et le temps, je crois que c'est... Mais essaie de rejouer le même perso. C'est bon ? Attends, bon, je vais inviter... Toujours bon, moi. C'est qui le nom des amis ? Mes copains. Attends, comment je fais pour inviter les gens ? C'est où, tu sais ? En haut à droite, jouer avec des contacts, non ? Ah... C'est quoi le truc, là ? Gameplay patch. Nanana. Putain, ils en ont... Parce qu'ils en ont fait un tout à l'heure, un patch de 400 MO, là. 400 kilos. Je sais pas comment on fait pour inviter. En bas, je pense qu'il est trop dur à prendre en main. Un peu comme Dota. Faut que Riot sorte sur leur version. C'est pas une question de qualité de jeu à proprement parler. C'est juste que, les gars, on est dans un marché saturé, en fait. Le marché du jeu vidéo est un marché saturé. Il n'y a plus non plus... Ouais, je suis d'accord. Ah voilà, je suis en train d'inviter l'intégralité de mon Steam. Le marché du jeu vidéo aujourd'hui, c'est le marché des sweatshirts, quoi. Il y en a trop, en fait. Et indépendamment du fait que des mecs sortent des nouvelles marques de sweat ou n'importe quoi, ou t-shirts, ce que tu veux, bah, c'est... Il est où, Mi ? Putain, on n'est pas amis sur... On n'est pas amis sur... Ah si, c'est bon. Là, c'est complexe. Hein. Il faut faire un peu de Fortnite. Faut envoyer de la grosse thune pour envoyer assez rapidement une compétition e-sport. Déjà, bon, ça peut pas être un mauvais plan, quoi. Donc déjà, d'annoncer une compète, une pro league, un truc, un machin. Je sais pas si ça va plaire. En vrai, je sais pas si ça va réellement plaire. Mais il faut déjà faire ça, quoi, pour que des gens, du coup, qui saignent le jeu à l'heure actuelle, se disent putain, franchement, je suis pas mauvais. J'ai peut-être envie d'être pro sur le jeu, quoi. Clairement, ce jeu, il a vocation à être compétitif. Oui. Moi, je pense qu'il va avoir, une petite vie. Sauf que Valve. Après, Valve et Dota, je connais pas, mais je connais Valve et CS et leur volonté d'être dans une logique de « on contrôle rien, vous faites ce que vous voulez de notre jeu, quoi. Bon. » Juste vous dépenser de l'argent, quoi. Exactement. Moi, j'aime bien. Attends, parce que là, t'as pas invité ton pote, là ? Non, j'ai juste lancé une invite en mode « tiens, une invitation. » Ah, il a pas le jeu. Non. D'accord. Mais ça va mettre 1 à 2 jours, c'est marqué. Merde, j'ai pas le bon perso, quelqu'un me l'a pris. Non. Ah, moi aussi. Oh, relou ça. Me too. Je sais pas ce que j'aime en plus. Vas-y, j'ai jamais joué ça là. Si, il est là d'ailleurs. Après, bon, ouais, je sais pas. Il me conseille quoi. Dev... Ah, mais tu sais pourquoi ? Parce que t'as l'impression... Bah non, tu peux pas avoir de miroir en fait, mec. C'est devant. Tu peux pas avoir de miroir avec les personnages qui sont en face de toi. Ah, y'a pas de miroir. Ça, c'est bien. Ouais. Non, okay. Mais c'est bien. LoL non plus, tu peux pas, si ? LoL, tu peux pas en classer, il me semble. Ok. Parce que t'as une... Ouais. Mais en casu, tu peux. En casu, tu peux.
Paradoxe incroyable qui ongle 3, vas-y Kané. Jamais joué à jeu. Jamais joué ce perso là. Juste pour savoir, ouais, dans ce moment où je t'ai invité, quand t'as reçu l'invite, ça a pris combien de temps? Ah, mais c'est pas la même non, map. Non, après-midi. Si, que tu racontes. T'es sûr? Non. Bah, elle est plus petite, on dirait. Putain, attends, tu me fais douter, frérot. Le middle est pas. Y'a deux maps? Bah, je sais pas. Ah, oui, non, bah, c'est possible. Xibor, si tu veux jouer avec nous pour te remercier de ton invitation, tu peux venir. Hein. Alors, burst, et apparemment j'ai un truc carabine cinétique. Oh, ça a l'air stylé. Je comprends rien, mais on va essayer. Ok, donc faut tirer. Y'a combien de mode burst, c'est pas... Oh, bon. C'est quoi que tu joues comme toi, comme perso? Je sais pas, franchement. Ah mais j'avoue qu'il faut, il faut plus faire le coup de mêlée, parce que le coup de mêlée, quand tu le charges, il stun. Et on m'a dit que c'était très puissant. Ah. Ouais. Y'a quand même beaucoup de choses à apprendre quand même. Oh. C'est toi avec moi là? Ouais, je pense. Hein. C'est toi le gros bleu là? Ouais, bah écoute, s'il te plaît. Oh putain, je prends tellement de dégâts, sa mère. Ouais, en fait, il faut tellement... Tellement je reste deny. Bah oui, tu peux dash en fait. Ouais, ouais. C'est tellement compliqué, mon gars. Là, son... Ce qui est bien, c'est que contrairement à un jeu comme Dota, je sais pas si c'est pareil sur LoL, mais tout le monde évolue au même niveau en termes de level, tu vois. Comme sur Heroes of the Storm, là. C'est quoi déjà mon 1, moi? T'as une scène de nous flanque. Ok, bien pris. Sur moi, sur moi. Ouais, mais y'a l'autre qui est derrière toi. J'ai pas rien pour t'aider. Ah si, 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 prends énormément de dégâts. Je vais stun, je vais stun, je stun. Low creep, je suis une bite. C'est pas grave, ça tient, ça tient. Bon, par contre, je suis tellement low, moi, faut que je recule en fait. Je vais passer au shop. La DA est excellente, ouais. Un petit côté Team Fortress, Dishonored, Half-Life. Il est mort. Quoi? Alors, attends, parcourir les builds. Oh non, block. Que des builds russes. Alors, il a l'air chaud lui. Là. Je vais le stun lui. Dès qu'ils viennent là, je leur dash dessus moi. C'est un vrai... Tu peux vraiment faire un combo de psychopathe avec ce perso. Hein. L'autre il prend des dégâts de ouf. Hein. À gauche là? Ouais, ouais, il a pris des dégâts. Hein. Ouais. Il est déjà low. L'autre il a du back, hein, attention, il va revenir, ouais, bête. Il revient. J'ai un stun. Je stun à droite. J'ai raté, j'ai une bite. Je shield. Ok, je suis une grosse bite. Veineuse. My bad. C'est de la merde. À gauche, fais gaffe, ici, ici. Il est pingé. T'as pris des items ou pas? Négatif, pas encore, j'ai pas back.
Vas-y, vas-y. Non, tranquille, franchement, ça tient. Je vais attendre qu'il push sur notre. Attends. Paradoxe, c'est là. Faut qu'on plus ou moins le temps pour vous-même qu'on l'a rechargé. On va ralentir le temps pour nous-mêmes. J'y vais. Oh putain. Elle a pris des dégâts, elle back. En bas, il est tombé à gauche l'autre blaireau. Il est sur moi. Il est mort lui. Non, putain, il m'a slip. Il est mort. Derrière. Non. Pardon. Non. Je l'ai pas stun. Ah, je suis une merde. Parcourir les builds, tank DPS. Putain, je suis une énorme bite là, ça m'énerve. Pourquoi je peux rien acheter là, 1250. Ah j'avais pas mon 4 en plus, je suis débile. Allez, on était yellow ou on était yellow. Je crois. Pourquoi je peux pas acheter là, je comprends rien. Oui, ok. J'ai 3007. Prends des objets là, sois meilleur. Oh merde. Ok, bon je comprends rien. Mais ok. J'arrive, je reviens vite. Je suis au-dessus, j'arrive, je suis là. Et à gauche il est, ici sur le ping. Je slip. Ah putain, mais je suis nul. Tu t'es fait tuer ? Ok. Ouais, je suis naze. Bah c'est dur hein, faut... Avec tous les combos à avoir déjà. Sur le perso à chaque fois. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai dû aller m'entraîner pour le blitz, pour... Enfin l'espèce de... Le grabber là, pour voir quel était le meilleur des combos quoi. Bim 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 bim. Votre prochain barrage change de dégâts sur Rachel bonus. J'ai l'impression qu'on est quand même moins avec des gens qui savent pas du tout ce qu'ils font. Mais je suis débile. Je ressens pas le fait de prendre des dégâts. Ça me vénère, ouais. Ça. Je me vois pas dans le... Ouais. En rouge. Ouais, exactement. Ouais, mais c'est comme un MOBA en fait, quoi. Faut que tu checkes ta barre de vie en fait. Ah ouais, non, bien sûr. Mais comme elle a un endroit et d'une couleur absolument random. T'es parti où toi? Parce que moi j'ai trois mecs qui me pushent yellow. Hein. Ah, j'arrive yellow. Dans le métro, j'arrive yellow. Enfin, je me téléporte mais je sais pas où. Ah bah je me suis téléporté au mauvais endroit. Cheers mate. Je suis derrière eux. Je crois que j'ai failli les 1v3 là, what the fuck. T'es où là? Ah mais putain, mais t'es là-bas, mais mec, mais je savais pas que t'étais là moi. Oh mon, mec, j'ai failli les 1v3 frérot. Mais je rigole même pas en fait. Merde. Il y a des clés à win, non mais vous pouvez vous faire inviter les amis par des gens. Ça m'a l'air pas si mal en vrai. Ah c'est... Putain c'est comment il s'appelle Vengeful Spirit en fait ce personnage sur Dota. C'est vraiment Vengeful Spirit en fait. Marrant. C'est quoi déjà l'ulti, elle fait quoi elle?
saute dans les airs et retombe à l'emplacement ciblé. Putain, mais oui, c'est vrai, c'est un énorme stun, je suis débile. Non, non, on relance Dota. Franchement, c'est bien ce jeu. Ah, ils sont en train de défoncer notre lane orange. Tu veux qu'on essaie d'y aller, vas-y, 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 je vais juste défendre le... Je vais juste les push. J'arrive pour orange. Je stun. Il fait mal, lui. Je stun, lui. Ouais, bon. Allez, terminé. Pourquoi t'as une valise, là? C'est pas toi la valise? C'est un gars qui... Non, c'est un gars qui peut se mettre dans une valise pour devenir invulnérable. Ah ouais, comme Anivia. On peut aller à droite pour push la lane là, regarde. Droite pour push la lane, ok, vas-y. En plus, il y a un gank à prendre. T'es prêt? Attends, je suis pas là. T'es passé à côté d'un bonus, il y a des bonus à prendre. Hein. Ouais, merde. Il est là en face de moi, ils sont vas-y, deux. Vas-y. Je stun. T'es où? Stun. Elle a swap avec toi dans la vie. Je sais pas, j'ai 400 de life, je suis dans la merde. Je wall. Je stun. Ah putain, je l'ai mis en mêlée. Ah, elle m'a fait trop mal. Il est fort, perso. Très très fort. Le swap de vie, il est monstrueux. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes parce que c'est monstrueux. Ah, faut vraiment que je tue des creeps, j'ai l'impression, pour me régène. J'aimerais bien avoir l'avis de mecs qui connaissent le jeu et une tier list approximative juste pour comprendre le niveau moyen de power level, parce que j'ai un peu du mal à capter. Ah, ce perso a l'air d'être assez fort en vrai. Je vais swap. T'es où toi? Oh. Je suis lane orange. Ok. Vas-y, j'arrive avec toi. Je peux les ulti. Je swap. Oh putain, mais je sais pas encore. Ils sont partis à droite, ils sont là. Je vais stun soon. Vas-y. Hein. J'y vais. En face? Ouais, il est où? Oh, je sais pas. C'est pas ça. J'ai bousillé mon ulti. Elle est sur moi, elle. Elle est low HP. Hein. Low HP. Vas-y, j'ai mon stun de up. Oh la putain. On grille. Je suis pas là. Hein. Je suis sur la ligne orange en train de la dépush. Je suis avec toi. J'arrive, mon pote. Ok, ok. Franchement, je kiffe, hein. Je suis bien. Ah ouais, non, franchement, c'est un bon jeu. Vas-y, essayons de les faire chier là. Je sais pas où ils sont, attention. Je pense qu'on va se faire back par derrière. Ouais, y'en a un là devant nous. Non, je vais essayer de stun. Non, c'est sur les tours là, on peut pas. Hein. Oh, ouais. Ça va venir derrière, faut back. Ouais, vas-y, go se barrer. C'est bien, on va essayer de prendre yellow. Ouais, faudrait déboucher yellow. Ah, vas-y, attends, on va la gank. Pas sûr qu'elle soit toute seule. Ah, j'ai un stun. J'ai pas mon ult. Ah, oh, c'est pas Vazoff. Un devant moi, deux devant moi. Allez, derrière, vas-y, let's go. Je les stun. J'arrive. Ta charge. Stun. Elle t'a swappé. Oh, elle te défonce. Ouais, elle te défonce, je m'arrache. C'est une dinguerie, hein, ouais. Putain, c'est une dinguerie ce perso, en vrai. Oh, il me défonce. Son ulti est dévastateur, mon gars. Ah, je suis curieux de voir quand même tier list deadlock, parce que vraiment...
fait des stats tout ce temps. Ah non. Chien. Ah, j'aurais dû revenir plus tôt. Bah, il est vraiment cool comme jeu. Il est vraiment vraiment cool. Mais j'ai hâte que le niveau du jeu soit légèrement meilleur, que mon niveau soit légèrement meilleur et la personne avec moi légèrement meilleure, qu'on soit tous un peu meilleurs, voir un peu ce que ça donne vraiment dans une logique un peu de tryhard quoi. Ah bah là, mon gars, ouais. On est en train de découvrir le jeu. Tu ouais, vois, ouais carrément. Et ça va durer longtemps encore. Ça va durer longtemps. Ça va durer encore longtemps cette découverte. Parce que c'est vraiment très profond le jeu. Tellement dense. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça fait quoi ça? Non, c'est vrai qu'un plus de chaque impulsion plus de dégâts en dessus. Ah. Bon, ouais. Un swap. Ils sont combien là? Non, vas-y, faut pas aller en bas. Y'a un mort, y'a un mort. T'es en tué? Y'a un mort. Non. Bon, moi je prends ma race là, ça génère des popettes. Ouais, non, ça a rien, faut fight sous la tower. Surtout qu'il y a deux lignes de pusher là. Putain, on perd toute nos games là, on a ouais, finalement. J'avoue. Je sais pas ça t'aime, hein. Je sais pas, c'est dangereux ensuite. J'ai pas assez shop. J'ai encore 20 secondes avant mon ult, moi. Tu fais quoi ton ulti? C'est un énorme stun. C'est vraiment okay. Superman, t'arrives, tu tombes et tu les niques quoi. Derrière. Ça nous push de l'autre lane aussi, on est vraiment dans la merde. Oh putain! Tu m'as mis! Ouais, c'est le blitz là. Ah mais tu vois la différence de Souls en haut en fait, la différence d'XP, on est à 64 contre 90k en fait, on s'est martyrisé. Ah bien vu effectivement. Ouais. Oh je vais me faire enculer, il va mettre la bombe. C'est clair, putain. Ouais. Dur à jouer ce perso, je trouve. Ah, mais nos potes ils vont tous les uns après les autres, quoi. Ah, voilà, bon, ouais. De toute façon, dans une situation comme ça, il faudrait réussir à. Qu'est-ce qu'il dit lui là? Je sais pas, mais je crois qu'il est pas très content. J'ai pas réussi à caler mon ulti une seule fois, mon swap. Ah, le swap c'est une dinguerie. Nah, c'est trop fort. Il a 2 HP lui hein. Oh le connard. C'est ce truc là, faudrait que je regarde ce que c'est le sort. Ils ont tué le truc du milieu là, non? Ils ont tué Roshan, ouais peut-être ouais. C'est Roshan s'appelle? Sur Dota ouais. Ah d'accord, ouais, ok, Nashor quoi. Roshan, Nashor, non mais tu vois quand même ce que font Riot ou pas? C'est vrai? Mais mec, je savais pas ça. Non mais... Depuis le début, le truc s'appelle Roshan. Ouais, sur Dota, c'est Roshan. Et ces connards l'ont mis en Verlan. Ouais. Mec, je savais pas. Mais non, mais c'est une dinguerie, frérot. Mais moi, je savais même pas, tu vois. Je savais dit, absolument c'est des, pas. C'est des voleurs, c'est vraiment des voleurs, en fait. Ah,
Vas-y, mais il est en train de me niquer, lui, là. Aime ça. Bof. Putain, les parties map qui sont pas sur les lanes, je me perds tellement. Ok. Ok, je viens de voir un truc, en fait. Tu peux ramener un mec, tu grabes un mec sur ton 2, en fait. Ah, putain, c'est vraiment pas mal. Tu l'emmènes avec toi, quoi. Donc tu peux passer derrière lui, à la limite, ah, faire un 2 et le ramener vers tout le monde, quoi. Yo Excel, merci pour les 47 mois. Merci Omesh pour les 7 mois. Vous êtes des monstres, les amis. Ça compte double quand je suis pas sur Rainbow Six. C'est vraiment Vengeful Spirit, putain, mais... Ah, putain, on se fait niquer. Ouais, c'est terrible. Ouais, 115k à 85k en même temps. On a quand même un gars qui est mort 14 fois et qui a fait 0 kill. Hein. Moi, je suis mort que 4 fois. Ouais. J'y vais sur lui là. Ah, et lui mec, tu peux rien faire. Non, je veux dire, il faut que je stun. Saute-toi. Non, putain, je peux pas remonter. I'm under attack. Oh mec, je me fais tuer dans mon swap. C'est bon. Fuck this, man. What the hell is happening? Je me fais mais défoncer. Ah, 125 à 97, bah ouais, mais forcément. Shut up. J'ai mis super amusant là, vraiment. $16k total. Ah, c'est pas encore ouf, hein. Pourtant je me suis vraiment focalisé sur les creeps cette fois-ci, beaucoup plus que la première game. Ouais, mais je pense qu'en fait si tu snowball et que tu fumes les gens... Ah ouais. Ouais, bah j'ai pas adoré ce personnage. 9k. Bon. Je vais prendre Kelvin, Demgeist, moi, je compte. Steven. Dure la game pour un super amusant. Steven... De quoi? Non, je disais dur la game pour un super amusant, on me disait, mais non, franchement ça va, voilà quoi. Je préfère ce genre de game lab que des mecs où ça déco et tout, j'ai pas l'impression d'avoir été mauvais en vrai. En fait, c'est aussi ça, l'avantage du MOBA, c'est que quand bien même il y a une grande difficulté, étant donné qu'il y a différentes lanes, on peut savoir à peu près à qui a la responsabilité de l'échec ou de la victoire souvent. Hein. Donc nous sur notre lane avec Westuck, pour le coup, on était bons. Hein. Après, il a fallu qu'on swap avec des mecs qui sont nuls. Bon bah du coup, forcément, ça, c'est pas ouf. Quoi. Partons. Allez, moi je vais essayer de jouer 3 persos. Je pense avoir un pool de triple perso, ça peut être bien. Ouais. Non, parce que 6v6, c'est quand même... c'est un truc tout con, mais Overwatch, ça les a foutu énormément dans la merde sur la partie e-sport, parce que un truc tout con. Mais je sais pas, moi, t'as envie de faire un truc demain à l'e-spot, comme toi tu l'as fait avec Apex, ou moi avec R6, ou n'importe quoi. Mais rajouter un 6ème PC sur beaucoup d'endroits, dans beaucoup de studios, c'est compliqué, en fait. Ouais. Ah. Ouais, ça c'est clair. C'est vrai, hein. Clair. Tu vois, une Gamer Assembly, ils disent à la Gamer Assembly, on fait un deadlock. Bah, ouais, mais forcément, du coup, ça voudra dire plus de place pour. Bon, après, une GA, ça va. C'est... T'as déjà fait la GA, toi? J'y étais allé pour caster PUBG en 2018, ouais. Mais pas pour jouer. Ok.
Herbe dans le bim. Comment on danse? Il y a forcément un slash dance. Je pense que non. Ouais, n'hésitez pas à faire une commande pour l'exclamation deadlock, hein. On peut loot des clés pour pouvoir y jouer? Non. Non, non. Faut m'ajouter en ami si vous voulez, et si j'y pense, je vous inviterai. Tout le monde a accès au jeu, en fait, si t'as après, quelqu'un si vous faites 5 subs, forcément, vous pouvez venir me voir sur Discord. C'est le concept. Et vous pourrez me dire, je t'ai fait 5 subs tout à l'heure, tu peux m'inviter s'il te plaît? Et je vous invite. Voilà quoi. Parce que je suis un peu une pute. Je commence à faire payer 5 subs, hein, le fait d'inviter les gens, moi. Ouais. Ouais. Je sais pas combien de temps ça dure la bêta. Toi t'es trop sympa sur tes subs, hein. Jamais tu réclames. Non, jamais mec. J'ai un nombre de subs, mais... Mais je pense que c'est parce que t'es riche ça, tu vois. Et à partir d'un moment où quand on est multimillionnaire comme toi... Ouais, clairement mec. Oh. Non, mais j'en parle même pas. Pff, y a même pas de barre de subs, y'a rien, tu vois. Je devrais, hein, mais... Ouais. Ouais, ça va sinon. Mais bon. Dans écoute, l'ensemble. Ça va, ouais. Non mais d'un point de vue business, t'es là l'année prochaine? Je sais pas. Ouais, comme d'hab. Moi pareil. On verra, hein. Ouais, bah c'est vraiment du c'est presque du day to day. Inch'Allah. Comme on dit en Bretagne. C'est toi et moi, Blitzcrank. Ok, attends, je sais pas ce qu'il fait mon bonhomme mais... Vas-y. Ok, il commence à nous chuter lui. Il est ouf lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'aime bien ça. Je vais le grab lui hein s'il fait le con. Ah, je l'ai raté. Ils sont trois ou quoi ces connards? J'aime bien quand t'insultes les gens gratuitement comme ça. Toi t'as Prime May là, la meuf qui fait des glaçons là non? Ouais mais en version gros bonhomme quoi. Il essaie de nous flanquer l'animal. Ouais j'ai vu, reviens sous la tower. Fais gaffe t'es low hein. Tu récupères de la vie quand tu l'assiedes ou quoi? Derrière. Lui il est mort, regarde. Oh non, il m'a grab. Oh, c'est moi qui t'ai grab. Oh, je suis... Oh non, putain. Bah ouais, je suis désolé mon poulet. Mais c'est vrai que faut que je m'y habitue parce que t'as donc un friendly fire sur le grab. Moi je voulais le grab lui. Mais tu t'es mis dans l'axe et... Enfin... Putain, c'est pas simple. Oh, je suis une merde! C'est compliqué là, hein. Je pense qu'ils vont me dive en vrai. Attends, on peut le niquer lui, hein. Il est derrière le truc là, juste là. Ah, mec, je suis à 100 HP en fait, c'est un peu dur la vie. Ah, je l'ai raté. À 390, c'est pas ouf. Faut continuer de décrypter. Hein. Sur la gauche, il m'a valise. Oh non, fuck shit my life. Oh, ça me saoule. Oh, elle a un HP l'autre aussi. Ah putain. Dégoûté. Dégoûté, les deux se sont barrés, ils ont un HP. Et du coup, la lane est dépush. Une fois que j'ai poussé la lane, je back. Je vais en profiter pour back. Fuck! Meurs pas, hein, j'arrive. Je buy. C'est quoi déjà? Parcourir les builds. Ah oui, c'est bon. Pourquoi je peux pas acheter là? Je ne comprends pas pourquoi je peux pas cliquer. Ah, faut être à côté du shop. Oh, c'est trop con. Non, mais dans la base, ça marche pas. Ah. Faut vraiment être à côté du shop.
pensais que la base était le shop en fait. T'es sur quelle lane là? Bleu. Pourquoi on est 3 là-dedans? Pourquoi il m'a demandé d'aller là lui? Oh la pute. Qu'est-ce que tu fais toi? Moi? Tu la tour là. T'es mort toi les dégâts. Vas-y, je push. On est en train de fumer la bleue là. Ah, j'oublie de deny à chaque fois là. Enfin, de valider plutôt. Ah ouais? Ouais, pareil, ah, pareil. Je suis 62 QI en fait. Alors, portée mystique. Increase the range and effect radius of your abilities. Ah, mais ça c'est trop fort avec ça. Ouais. Ouais. Je vais essayer d'arriver sur toi. Non! Tu l'as eu? Ah oui! Ouais, putain, je l'avais grab sous la tower, quoi. Je commence un peu à avoir le... à comprendre le rythme du jeu. Ouais, moi aussi, pareil. Pareil, troisième game, et je suis d'accord, ouais. Et de commencer à plus regarder la map aussi pour avoir une meilleure... Parce que le côté micro, c'est sympa, mais le côté macro est tellement important que... Ouais. Voilà quoi. C'est toi qui viens de faire le kill, mais t'es un monstre en fait. Ouais. Vas-y, go push, hein. Go push la lane. Bon bah, ouais, faut qu'on trade la... Attends, je peux la grab, elle, hein. Si elle est toute seule. Vas-y, oh, je l'ai raté. De toute façon, ces towers, elles font mal. Hein. Faut vraiment péter ces towers. C'est de la grappe, on la nique. Fais gaffe. Bon, pff, elle est débile, hein. Ça c'est con. Question 2, attention. Hein. Ouais, vas-y, back. Back, on va les kite. Putain, elle fait mal quand même, non? Il push, vas-y, viens, back. Je vais en grab. Si jamais t'arrives en grab, moi je me snare, c'est mort, hein, ils sont morts. Ouais, ça marche. Je vais grab le mec à gauche. Attends, je l'entends bien, snare à droite. Je dépush pour le moment. Pour récupérer le grab. Jouons sous la tour, ils sont pas très bons, donc faut péter ces tower à elle. Je vais la grappe sous la tour. Hein. Non, on a plus de tour. Ah merde, putain, j'ai pas vu. Je suis critique, j'ai 2 HP. Je back. Je reviens là. Ouf, moi aussi. Je back aussi. Ouais. Oh, je me sors avec rien du tout. J'avais pas fait gaffe. Combien de temps la bêta? Franchement, je sais pas du tout. Pas du tout non plus. C'est marqué sur le menu néanmoins, il me semble. Non, c'est les horaires en fait, mais y'a pas de... Y'a pas écrit non. Quand c'est fait, ouais. Du gauche. Coup, bah faut être là. Orange, ouais, tu veux... On contre-dive? Ouais, faut... Attends. Elle, je l'ai. Putain, enfin, je suis bloqué par 12 000 trucs là. Ouais, ah ouais, là-bas. Il y avait ton truc plus son truc. Elle meurt. Ah, j'en ai eu un. Là, ici. Oh, je l'ai pas grave. Mais il est mort. Très bien, voilà. Là, je suis con, à chaque fois j'essaie d'attraper les trucs, c'est pas ce qu'il faut faire en fait. J'adore ce jeu.
Ouais, il est cool. Ouais. Merci Neoxy pour les 29 mois, vous êtes des monstres. Ça compte double quand je suis pas sur Rainbow Six. Visiblement, le mec a besoin d'amis. En purple, là, je vais aller l'aider. Blue Lane, elle est pas prise non plus, mais personne ne l'a attaqué. On n'a pas perdu notre T1, ce qui est assez marrant. Ah, c'est, là, c'est vraiment un niveau noob. Hein, Oh merde, je vais mourir là par contre. Bim, terminé. Alors, vas-y, je m'avoue qu'à ce point de mourir. Ok, je découvre un peu la map aussi. C'est la même map, hein, mec, là, par contre. Ouais. Enfin, je sais pas, il y avait un truc tout à l'heure. Orange. Bah, oula. Je sais pas s'il y a des mecs là. Qui font que la jungle. À gauche, pardon. Dans la méta, ce serait intéressant d'avoir des mecs qui font que la jungle, les petits creeps. Ouais, je pense que tu dois avoir des persos qui peuvent te permettre de le faire. Hein. Ça permet de faire quoi la nade ? Fiche des gars, entier. Ok, là j'ai des pushs, le blue c'est bon. Ah ben, on est en train d'attaquer la T1 du blue. Il faut la faire tomber là. Ah non, moi je prends là. Ok. Ouais, ça les 250. Je vais back, 4007. Un MOBA avec 4 lanes. Un MOBA avec 4 lanes et 6 persos du coup. 6v6. TPS, ouais, une sorte marrant. De Paragon avec du Dota, du League of Legends, du Oh, ce du... que j'ai pris là, moi. Putain, le dôme, mec, le heal que ça fait, c'est t'es où, insane. Toi t'es où? Ah, t'avais là où à ça gauche. Pète, là. Ah ouais, le dôme, il est insane, en vrai. Hein. Elle est prise, elle. Je l'ai grabée, elle est morte. Boum, terminé. Il est où, lui? Mort. Je sais pas si il renforce ce... Et on pourrait faire le truc du milieu, là? Non? Je sais pas si on peut, ouais. Je sais pas. Ah non, c'est pas encore pushé. Faut répéter les T1. Il nous reste... celle devant nous, l'orange. Ouais, l'orange. Et notre pote, ils sont presque. Elle est morte. Ok. Bah, on peut essayer hein, si tu veux le boss du mine, mais je sais pas trop ce que ça fait, ça peut être marrant. Oh, je le rate! Oh, je m'en prends plein la gueule là. C'est marrant son actif à lui là qui lui permet d'avoir un... Ok,
dessus. Ouais, bon, laisse tomber. Ici, on peut pas faire grand chose, je pense. Il y a notre pote qui est là-bas sur la yellow. Il y a qui? Il se fait pusher yellow. Je vais aller dépusher yellow, moi. La verticalité de ce jeu, c'est quand même vraiment intéressant. Il est con lui un peu, non? Ah. Ok. Bon là, faudrait faire tomber la T2 ou la T1 rouge qui est toujours pas tombée là. Et la line elle est push. Oh merde. Ah, je suis mort. Survie. Je sais pas ce que c'est. Faudrait faire le truc au milieu, non? Ouais, vas-y, on PC. Ça peut être marrant, non? Vas-y, vas-y. On rentre dedans. Merde. Pourquoi ce dôme là? C'est lui? C'est moi. Sam Neill. Il est trop drôle ce perso là. Je sais pas s'il est méta mais... Il est trop drôle. Tu vois pas ce que je fais? Non, non, attends, ton perso, je pensais que tu parlais de l'énorme Sgeg qui est en train de nous tirer dessus quoi. Non mec, en gros tu peux faire du surf et ça te permet de t'élever dans les airs. Et genre tu fais un sol en glace sur lequel tu peux marcher quoi. Ah oui, 13 000 armes connectées. Une obole de votre patron, montée en puissance. Je sais pas combien de temps ça dure. Faut faire quoi avec ça? Réanimateur, attaque de mêlée, réanimateur capturé. Ah c'est moi qui... Ok mais ça pousse derrière. Putain, tout le monde se fait raise, c'est un Roshan pour tout le monde. Non mais c'est une dinguerie en fait. T'as la Aegis pour tout le monde en fait. Derrière, là ça y est. Hein. Ouais, je vais. Là on peut push comme des ouf. Hein, Ah ouais? Ouais, on va se faire revive en fait. Tout le monde a... Sauf le mec qui a déco chez nous. Putain, on a toujours un mec déco quoi. Ils sont en bas à droite, doit les tuer. Allez, terminé. Ils sont où là? Au-dessus. On a toujours pas fait... Faudrait dépouche le orange là. Je pense. Pas de DPS en vrai. Oh. Je dépouche l'orange pour faire tomber leur T2 là. Vas-y. Merde, ça me sort. Ah, je push l'orange, pardon. Wow. Elle est morte. Ouais, elle tient pour ça dans ta gueule, toi.
J'ai fait tomber le T2 là. Ouais, j'arrive. Je les bait un peu, y'en a qui sont sur le... Ouais, sur la orange lane. Ah, vous êtes carrément en train de pusher le... D'accord, ok. Ça push violet. J'arrive avec vous. Ils ont un... On a un déco, ils ont un déco. Bon. Ok, bien pris. Oh, j'ai pushé là. Il y a les deux towers à faire tomber là. Ah, ils nous pushent aussi les bâtards. Ils vont finir avant nous. Hein. What, c'est quoi ce truc? Tu penses qu'ils finissent avant nous? Je sais pas. Vas-y, je reviens. Je rentre. Ah, je suis juste derrière là. Might be dead. Ça, on s'en fout. Putain, plus débile. Ouais, il est fun le jeu. Je dirais qu'au bout de 10-15 heures, tu commences à vraiment comprendre les bases. Et... à savoir si ce que tu fais de mal ou de bien. Ouais, j'avoue, parce que là, c'est pas simple. Hein. T'es déjà allé dans le métro en bas avec l'espèce de tunnel, avec y a des trucs de ouf. Ah, mais là, c'est. Oula. Ah, si, je peux pousser là. Non, faut que je back, moi. J'ai trop de thunes en fait, j'ai 9k. Vas-y, je vais vous. J'ai un pushé avec vous. Ça le prend pas, putain, quand t'as le rebord. Oh putain. Pour avoir jamais joué à l'œil, il y a surtout FPS, ça risque d'être des paysans, mais c'est pas. Ouais, franchement, c'est pas mal hein, comme jeu. Hein. C'est marrant parce que c'est quand même un jeu où t'es tout le temps actif, quoi. T'es crevé en fait. Même dans la dans les phases de creep. Ouais, carrément. T'es toujours focus. Ils sont en train de pusher, hein. Ils ont fait tomber notre truc push. Je sais pas ce que c'est. En train de revive. Je vais def. C'est la faut dépouche la yellow, ok. Je vais bleu. La middle, orange là, qui se balade. Lui. Putain, mais on est deux dessus en plus. Il était par là, lui, non? Non, sur le stronghold, chez nous.
Ouais, je vais dépoucher la base. Hein. Oh putain. J'arrive pas. Ah, on peut quitter la game sans risque, on a une AFK, ouais. Bah attends, mais on peut terminer là. Moi je pense qu'on peut win. Hein. 106 à 101. Ouais. Putain, mais c'est quoi ça? Lui, il a une carapace bleue, quoi. Il envoie une espèce de... Viens là, toi. Bam, terminé. Oh, le grab que je lui ai mis. Complexe quand même, hein. Le TTK est infini, ah bah oui, ça c'est sûr. Ah bah oui. Je pense pas qu'on parle de TTK sur ce jeu. Hein. On est sur le patron ennemi hein. Ah ouais? Ouais ouais. Voilà, je vais se venir mais... Ah le patron se transforme. Ah mais vous les avez wipe là. Vas-y j'arrive. J'ai mon heal en plus, ah, mais je suis pas à la bonne line. J'arrive, j'arrive, j'ai mon ulti. Merde, ils sont sur moi, ils ont back. J'arrive, j'arrive. Passe, passe dedans, passe dedans. Oh, je l'ai pas eu, excuse-moi. Ouf, oh, il me fait trop mal lui. C'est quoi ce qu'il m'a mis là? Ah, oh, j'aime trop le jeu. Merci infiniment, Chax, pour les 300 bits. Un monstre, mon voulait. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de games comme ça. Bah, c'est vraiment les games de, c'est vraiment les games de niveau bas sur les MOBA, quoi. Donc ça dure 3 heures, en fait. Ah, mais il reprend de la vie, le patron, putain. Ah ouais. Ouais, bah ouais, ouais. Il est affaibli. Ouais. Oh non, putain, ils m'ont fumé. Donc il est affaibli, ouais, il est comme nous, c'est juste une boule maintenant, quoi. Il est plus, il se défend plus, quoi. Tout à l'heure, il se défendait, en gros. Ouais, il est bien de jeu. Ouais, il est incroyable, hein. Franchement, il est cool. Après, c'est technique, hein, franchement. Comme Blitzcrank, oui, oui. C'est un peu ça, ouais. Il y en a un qui va sur la Orange Lane, là. De chez eux. Il est tout seul ou ils sont deux? Thanks. Thank you. Oh l'enculé. Attends, mais il me fait mal ou pas? Ah, t'es un monstre, excuse-moi. Oh, ça fait tellement mal, mon ult. On peut les... Il y a un teamfight, là. Let's go. Elle, on la défonce, elle. Ah, oh, je peux pas sortir de cette merde. Il est à droite, 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 droite. Je l'ai. Il est pas mort. Point d'exclamation LSD pour le PC de Chalk. C'est les Salty Duel dans une semaine. On peut l'avoir comment le jeu? Non mais j'en plaisantais tout à l'heure mais... Là on a déjà fait les trucs pour donner.
J'arrive. Tu t'es mute, Wise. Enfin, je sais pas, après, peut-être tu parles dans le chat. Non, non. Ouais. Attends, je crois que je suis en train. On est en train de les défoncer là, ouais. Ok. J'arrive du coup. J'arrive Orange Lane. C'est toi qui es Orange ? Ouais, je crois. Hein. Y'a un mec qui te suit là. Oh putain, non. Fais gaffe, il est invisible. Je vais le tirer. Oh l'enculé. Je l'ai coincé dans le. Dans ah, le mais je peux rien faire, je peux rien faire. Ah, mais je pense que je le tue, mec. Non, putain, genre mon. Ça me. Overheal pas. Oh, fais chier, putain, je pensais que j'avais game. Vas-y, stop là. Ah, on peut pas monter là-dessus. Oh, je suis trop con. J'y vais en 1v2, moi. En mode, je suis un monstre, t'as. Je sais pas où faut aller, là. Bah, le patron adverse est méga affaibli, t'as vu? Ah oui, mais oui. L'autre, juste, on dive. On dive à la bleue, on le tue, en fait. Vas-y, bah, let's go. Mais faut... Mais les gens savent pas teamfight, en vrai. Moi, je suis avec toi. Vas-y, juste on dive. Si jamais on se fait gank. Y'a un mec là. Ah non. Si jamais on se fait gank, on. J'ulti et bah ça, on reste dedans. Et... Y'a un pupu. Ah, je l'ai pas vu. Tu l'as là. Non, c'est bon, oh, c'est bon. C'est barré. Ils sont deux. Hein. Ouais. Ils font très mal en vrai, c'est trop lourd. Je crois que je fais énormément de dégâts là. Ah fuck. Vas-y, suis-moi. Tu veux marcher là-dessus ou pas? Oui. Oh là là, et je crois que j'ai un build de psychopathe là en fait. Ah, tu peux marcher sur la glace. Ah ouais, c'est une dinguerie mec là, hein. C'est trop drôle. Vas-y, go le fumer hein. Vas-y. Je mets mon ulti. Pas dans la fosse. Let's go! Nice! Oh, c'était marrant ce perso là, j'ai bien aimé. Future main. C'est pas mal ce perso en vrai, il est assez fort. En fait, il met du temps à rentrer en puissance, mais. Mais quand qu'est-ce tu que vous en avez pensé dans les commentaires? Dites-le nous. De l'AOE et tout, YouTube. Là, likez ou pas? Abusé. Soin. Dites-nous. 14 000 de soins. On était avec Wystock. Ok, lol. Voilà.